l'épisode 72 d'L5R Seconde Cité. Donc ce soir une petite cour, mais avant un petit résumé. En même temps hein. Moi j'étais pas là donc... Mais comment ça t'étais pas là? Attends, on a mis ton nom à chaque fois. Bon mais j'en doute pas. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? On a rentré... Moi, c'était les conséquences de l'attaque sur l'après-bataille. Ouais, ah, c'est pas passé grand-chose, mais vous avez pas mal discuté... Il y a un ambassadeur qui vient, là. C'est surtout ça. Donc, Zial a réglé les problèmes de son village. Donc, les incendies, les machins, les bidules, le ramasser des quelques cadavres, enfin, beaucoup de cadavres de marchands et très peu de samouraïs. Chasser les rebelles dans les bois... ainsi de suite quoi. Otaku Kimli s'est particulièrement illustré dans ce domaine. Ouais, dans le genre bien gore, oui, effectivement, oui. Alors... j'ai récupéré le katana de la fête qui avait disparu, parce que celle qui l'avait en fait, comme ça n'a pas été transmis, c'était réglé. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Ah oui, il y a mes généraux qui m'ont demandé hey, ça te dirait, salut, ça te dirait de prendre la tête du clan et tout? On va voir, hein. Ah. Tes généraux, non, t'es des capitaines de régiments, ouais. Enfin de régiments de section de cavalerie sont venus te voir pour essayer de te faire comprendre que le fiasco était probablement dû au fait que une bonne partie de l'armée licorne était restée au fort, non, au fort du second. Non, il profite du soleil. En seconde cité aussi, hein, les troupes licornes en nombre relativement importante, mais ça, voilà. C'est ce que je leur avais dit. Vous préférez quoi, notre position à nous ou la leur? À glander au soleil? Non, moi on s'amuse. Bah oui, mais c'est des soldats, donc ils ont dédié leur vie à ça, donc oui, aller se battre, c'est leur objectif, quoi. Donc même s'ils sont pas, tous des gros ventants de guerre. Bon, au moins, ils ont l'impression de servir à quelque chose, quoi. C'est ça. Ouais, quoi. Mais au moins, ils étaient pas en train de se dorer la pilule et se faire chier au soleil, quoi. Bah. Ou à faire des cours. On est mieux dans les forts à la baston, il n'y a pas de cours. Non, mais du coup, les lieutenants t'ont dit qu'ils connaissaient les gens qui étaient en poste là-bas, et que ces gens là-bas comprennent pas pourquoi on leur a ordonné de rester là-bas, alors qu'ils auraient pu être beaucoup plus efficaces dans ton village. Ben... Ah oui, ça je confirme, oui, ça c'est un fait. Voilà, et eux ils le comprennent pas, et donc le fait qu'ils le comprennent pas, vous en avez conclu que c'était par ordre de l'ambassadeur, grosso modo, et qu'il avait peut-être des raisons pour le faire, mais qu'en tout cas c'était lui qui avait dispatché les troupes, et que du coup il l'avait mal fait, mais que comme lui c'est pas un soldat, voilà. Bah, surtout que... un événement comme celui-là, tu t'attends à ce qu'il y ait un minimum de troupes qui soient dispatchées, ne serait-ce que pour s'assurer... Bah, il y en avait, mais ça n'a pas été jugé nécessaire. Bah si, mais il y en avait, mais... Je veux dire, personne n'aurait pu s'attendre à un assaut de cette envergure, oui. Quoi. Oui, bon, après, certes. Bah, c'est ça, et surtout... Après, surtout aussi, c'est que les troupes... qu'il y a à l'heure actuelle, c'est pas non plus... Les troupes qu'il y a... comment dire, bah, clairement ça a surpris quand même beaucoup de gens, hein, même quasiment tout le monde, à part Akodo le défaitiste, mais voilà. C'est grosso... Le défaitiste. Grosso modo, ça a surpris quand même tout le monde. Tout le monde ça a été au moins, enfin pas surpris de l'attaque en elle-même, mais de la puissance de l'attaque, oui. Et de l'efficacité surtout. Voilà. Et mais ouais, d'ailleurs, quand ça sera, quand on commencera à jouer, il y a Bayushi, avant de retourner à la seconde cité, va essayer de parler à Zia de ça. Déjà, parce que pour savoir si de son côté il y a eu des pertes, bah, et tout ça. Du coup, ce qu'on va faire là maintenant, tout de suite, c'est, en gros, toi, toi Bayushi, tu t'es bien illustré dans l'évacuation et dans la bataille, on va dire, pour sauver le plus de gens. T'as donné des ordres, etc. T'as fait ce que t'as pu. Donc je pense que je te ferai gagner un peu de gloire par rapport à ça. On discutera ça à la fin, c'est pas grave. Et dans tous les cas, et par contre, bon, sur le trajet, donc vous êtes arrêté un petit peu. Vous êtes arrêté au premier village qui semblait être en safe sur le trajet. Là vous êtes réorganisé pour pour être un peu plus efficace, pour voilà, pour mettre les charges sur des personnes qui peuvent emporter, etc., etc. Réquisitionner du matériel dans le village, éventuellement, etc., pour faire le reste du trajet, et abandonner les plus graves blessés qui ne pouvaient pas continuer. Et donc vous avez repris la route, et donc ça a duré 2 jours, hein, le trajet, même un peu plus, et ouais, il me semble que c'est ça, hein, c'est 4 jours à cheval. 4 jours à cheval. Ouais, bon, du coup, ça a duré un peu plus. Donc, voilà, ça a duré donc 4-5 jours. Alors je sais pas si toi, ce que t'as fait, est-ce que t'es resté avec les retardataires ou t'as plutôt pressé le pas pour être dans les premiers. Évidemment, au bout de la moitié du trajet, vous avez été rejoint par des troupes de Seconde Cité qui ont été invoqués, enfin demandés par les quelques Shugenja du convoi, qui ont réussi à transmettre des messages, tac. Voilà, et grosso modo, vous avez fini l'évacuation comme ça. Après, tu as passé quelques jours, on va dire 2-3 jours, à faire ce que tu voulais, et là il y a la cour, donc si tu as envie de faire quelque chose dans ce laps de temps, tu as le droit. Oui, parce qu'avant la cour, il a été convié à venir passer une soirée chez Kichi, qui l'a ramené là où je crèche. Kichi. Yeah. Ouais. Aichi, excuse-moi. Écoute, moi, dans les trucs, c'était voir ce qui s'était passé, tout ça. Et une fois qu'il apprend comment il y a eu l'assaut sur le village de machin, essayer d'en joindre Shinjo, ne pas faire tomber sa colère sur les premiers Ivindi qu'il voit, en essayant de lui faire comprendre que de toute évidence la colère des Ivindi est alimentée par quelqu'un qui les entraîne, que ça ne de réagir avec trop de violence qui pousserait les Ivindi à encore plus de violence. Okay. Comment dire, tu te déplaces en personne pour lui apporter, pour lui envoyer ça, ou tu lui envoies un courrier, Non, je me déplace en personne parce que je préfère lui dire ça en personne, ce genre de choses. Ouais. Du coup, en gros, donc on fait un retake, mais en gros, ouais. tu vas la croiser en chemin parce que quand tu vas partir pour lui dire ça, elle sera sur le trajet pour venir à Seconde Cité. Et elle va venir avec l'ambassadeur, avec le Maharaja... Lemkesh que vous avez rencontré il y a un petit moment déjà. Alors, cette discussion se passera sans le Maharaja, parce que moi je commence à me dire que ces méthodes de combat, surtout si tu me décris comment ça s'est passé à ton village, ça ressemble peut-être un peu trop à ce qu'on a pu voir dans le fort d'Akodo avec les façons de se friter des Yodotai. Je sais pas si c'était le cas. C'est marrant comme tout le monde a la même idée. Bah ouais, en même temps c'est pas sans raison je pense. Ouais. On sait qu'il y a une force à l'heure actuelle qui agit tout ça, et que l'agitation qui a tenté de provoquer la guerre encore plus entre Kodo et les grues, qui a tenté, et qui pour moi peut très bien aussi tenter une attaque sous plusieurs angles, dont celui-là, après, sans savoir si ça vient de l'intérieur ou de l'extérieur, quoi. Ouais. Ouais. Bon, du coup, vous avez la conversation, donc je suppose que Joe, tu peux répondre ce que tu veux par rapport à cette demande de non-violence. Pas de non-violence, mais pas de violence aveugle qui pousserait les gens à être encore plus sur les nerfs en fait, et à provoquer plus de violence en conséquence, et qui n'apporterait rien de bon dans les colonies. Bayushi Takashi-sama, comme tout bon samouraï, il m'est venu à l'esprit mon devoir. Mais il m'est aussi venu à l'esprit une phrase que m'avait dit une fois un Enjinli, que j'avais interrogé quant à sa présence dans mon village. Il m'avait dit à l'époque, Shinjo Asama, je suis ici, mais j'ai été rejeté par les miens justement parce que je viens travailler, chercher du travail dans votre village, quoi. Et donc je ne pouvais pas punir des gens qui de toute façon ont déjà été rejetés par les leurs. Je me suis juste contenté de leur rappeler le fait que l'assaut a lieu en grande partie car il y a eu des espions infiltrés parmi eux, et que ce serait bien qu'ils aident à faire leur devoir en nous aidant et en nous... Enfin, on prêtant des hommes pour faire protection du village. passe quelques hommes histoire de faire un peu de troupes supplémentaires dans mon village, quoi. Tu sais, les former en petits soldats, quoi. Je vous remercie, Shinjo Xiya, de votre clairvoyance. Et que l'événement et le choc qu'il ait pu proposer, qu'il ait pu provoquer, n'altère pas votre sens de la mesure et du devoir. Je ne m'inquiétais pas pour le devoir, mais je sais que, étant donné les circonstances, la mesure aurait pu être compliquée à garder sous contrôle. Il n'est pas dans mon habitude de jeter de l'huile sur le feu, Bayushi Takayoshi-sama. Non, mais toute personne a un point de rupture et parfois une personne qui a dépassé ce point peut... Que le meurtre de Tomoe Akio, c'était pas jeter de l'huile sur le feu. Genre. Ah bon. Mais Bref, et donc ouais, toute personne a un point de rupture. Enfin, en tant que scorpion, je sais mieux que toute personne a un point de rupture. Et que quand on venir à quelqu'un, le plus simple est d'atteindre ce point. Pour lui faire perdre tout sens commun. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Bayushi Takashi-sama. À ceci près que... si je devais en prendre à quelqu'un, ce serait certainement pas des civils désarmés et nécessitant protection. Je ne suis pas de ceux qui s'abaissent à ce niveau-là. Je ne vous attendais pas dans ce genre de situation, ne vous inquiétez pas, Shinjo Xiya, ça va. Mais bon, je sais qu'il peut être parfois tentant d'appliquer une justice un peu expéditive suite à un événement comme ça. Certes. D'où la protection qui est avec moi pour accompagner le mariage à Lemkesh à Seconde Cité. Il souhaite audience auprès de Sukime, enfin de Iweko Sukime Dono. Et expliquer ce qui s'est passé. Et... As-tu des informations sur cet entraînement martial que... Oui, j'en ai tout à fait aussi. Ouais. Selon lui, il s'agit en fait il s'agirait de fanatiques religieux, de vrais gens du peuple qui auraient fomenté cette attaque. Avec ce que j'ai entendu, mais c'est cohérent aussi avec ce que les prisonniers que nous avons interrogés, enfin que les prisonniers que nous avons réussi à attraper et que nous avons réussi à interroger nous ont dit. Le fanatisme religieux m'a l'air un peu artificiel, enfin c'est peut-être qu'une impression. J'ai aussi entendu des menaces lancées par des fanatiques religieux. Lors de mon travail d'enquête, de surveillance, ils ont revendiqué plusieurs meurtres de samouraïs, qui ne s'étaient pas comportés convenablement avec des Ivindi. Il semblerait, Bayushi Takashi-sama, que ces gens sont passés à l'échelle supérieure de leur plan divin. Bien. Ok. Tu vas faire route avec moi à Seconde Cité. Oui, je suppose, oui, tout à fait. Non, j'ai décidé d'aller tout seul jusqu'au village de Shinjo, lui parler pendant qu'elle n'est pas là. Donc, en gros, vous revenez, donc il y a de mémoire un petit point avec Akodo. On souhaitait juste discuter entre nous de ce qu'on allait dire ou faire à cette cour qui s'annonce des plus mouvementées. Ouais. Faire un petit brainstorming avant de commencer, des infos qu'on a. Donc comme dit Obi, moi j'ai demandé audience auprès de l'autorisation de la gouverneure de venir avec un invité. Ivindi, bien sûr, j'ai précisé quand même, histoire de pas vexer, de pas faire peur aux gens. Et je lui ai aussi demandé, comme je t'ai dit, sur l'autorisation de remettre à la Kakita Mito le katana qu'elle a gagné de droit, en fait. Oui, y'a pas de problème. Non, pas que les gens s'inquiètent de me voir ou de faire venir un katana dans l'assemblée, quoi. De toute façon, tu vas le porter, tu vas l'emballer, en fait. Tu vas le faire emballer par un truc, histoire de dire que tu le portes pas. C'est pas ton arme à toi, donc du coup tu le portes comme un cadeau. Tu le portes pas comme si c'était ton arme, quoi. Tu l'as pas à ta ceinture, et il est rangé dans une boîte avec un quelconque tissu ou je sais pas quoi pour signifier que c'est un problème, ça. Ok, ça marche. Si vous avez envie de brainstormer, faites-le. Par rapport à l'attaque, comment elle s'est déroulée, tout ça, on a des idées de où étaient les différents infiltrés et tout ça? Non, mais enfin, pas exactement, il y a tellement eu de bordel, tout ce que je sais, moi, c'est que quand j'ai interrogé mes lieutenants et tout ça, c'est que les espions, en fait, ont éliminé les sentinelles qui surveillaient, en fait, les alentours du village, quoi. Certains laissaient aller, quand même, parmi les troupes qui assuraient la sécurité due aux festivités, quoi. En fait, c'est pas vraiment laisser aller, c'est que les troupes qui assuraient la sécurité de la ville, donc il y a eu plutôt une mauvaise communication entre les services, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les troupes qui assuraient le côté sentinelle et le côté extérieur, on va dire, du village, c'est les troupes qui servaient à l'escorte des routes. Donc c'est les troupes, on va dire, lourdes de la licorne. Et elles, bah, elles étaient crevés parce qu'il y avait très peu de... Ils font que courir dans tous les sens, et donc les soldats qui au sein de cette troupe sont assez fatigués et dans un état, voilà. Donc du coup eux ont un peu profité de la fête, mais c'est surtout la fatigue qui les a fait qu'ils n'étaient pas non plus très réveillés quand l'attaque a eu lieu. De plus, bah leur comme on va dire le niveau de menace que vous attendez n'était pas forcément celui-là. Les abords du village n'étaient pas si sécures que ça, donc quelques éclaireurs qui surveillaient les arrivées, bah, ont vite été neutralisés, etc. Et identifiés, d'autant qu'en plus, bon, ils affrontent des gens qui connaissent mieux la région qu'eux, quoi, et la végétation, et etc. Donc voilà. Les erreurs étaient aussi des gens fatigués, voilà. Et donc, la troupe qui avait pour sécurité, pour rôle de sécuriser le festivité, elle, était pas forcément trop dans la communication avec la troupe qui assurait l'extérieur. Et donc du coup, quand les patrouilles sont pas revenues, bah ça s'est pas forcément vu, quoi. Et voilà, ils ont joué perso. Pas de travail d'équipe, hein, c'est fou. C'est un peu le comble du rôliste, hein, sur la jouer perso. Je pose ma démission, je me casse. C'est plus possible. Bon, après. Donc, du coup, ok. Et au niveau de l'attaque de l'événement, les mecs, ils étaient répartis un peu partout dans les gradins. Principalement en hauteur. Les attaquants qui étaient à l'intérieur des gradins, il n'y en avait pas des masses, hein. Il y en avait quelques-uns, mais... Ils étaient plus là en tant que serviteurs, tu sais, de marchands ou trucs dans le genre, quoi. Ouais, eux c'était des gens de Seconde Cité, qui avaient été amenés par leur patron, en gros, et qui du coup, pour assister le patron, bah du coup avaient quand même été autorisés à être là, quoi. Bon, c'est pas non plus que la place est payante, hein, donc du coup... Les serviteurs qui avaient rien à faire, ils ont eu accès aux tribunes, on va dire, les plus éloignées, quoi. Donc il y a des furets qui sont installés là, quoi. Eh oui. Mais les vilains sont dans vos murs, quoi. Je propose d'ailleurs que tous ceux qui sont liés à cette attaque, une fois condamnés à mort, soient enfermés dans les murs des murs de protection du village de Shinjo. Demi, quoi. Pas de truc gore dans mon village. Mais c'est pas gore, ils seront dans les murs. Et en plus, un jour, ils pourront se réveiller, alors ça va pas le faire. Tu sais que c'est l'une des défenses, c'est l'une des anciennes défenses de la capitale. C'est qu'il y a eu une bataille juste devant un mur, il y a eu une bataille. Et les âmes des guerriers qui ont combattu et protégé la ville, bah, se sont liées au mur. Et donc, une fois par an, les âmes sortent du mur pour discuter avec leurs ancêtres, enfin leurs descendants plutôt, vivants, et éventuellement quand la ville est attaquée, ils peuvent aussi sortir pour se battre. Ah, c'est chouette ça, c'est un peu gore quand même. Bref, du coup, sinon, Zial en profite pour faire au Maharaja Lemkesh le topo de comment ça se passe les cours chez nous. Hein. C'est pas comme chez eux où tout le monde y parle en même temps et c'est la foire, le souk du coin, quoi. Hein, chez nous, c'est on parle chacun à son tour, on regarde pas dans les yeux, hein. Tu pètes pas pendant que tu causes, tu te grattes pas le nez non plus ni les oreilles. Bref, voilà, je lui dépeins comment ça se passe les cours, quoi. Même pas les oreilles. Mm. Bah, il va te dire que de toute façon, il s'était préparé, hein. Il avait eu quand même un minimum de connaissances. Formation. Que quoi qu'il arrive, comme c'est moi qui l'amène, je suis plus ou moins responsable de lui, donc ce serait bien qu'il fasse pas de boulettes. Bah, de toute façon, s'il fait une connerie, tu le butes, hein. Ouais, bon, bah, on va essayer d'éviter. Bah, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez... quand même. Non, bah, déjà qu'il prend le risque de faire le déplacement, donc je pense pas qu'il vienne là pour faire un fake à la gouverneure, quoi. Ce serait gonflé, mais il arrive à buter le gouverneur. Ah, il a pas de ceinture d'explosif. Hein. Ouais. Qui sait, on a bien cru que c'était du café, nous, la poudre. Hein non, c'est plutôt l'inverse, rappelle-toi. Non, mais bon, ça arrive. Qu'est-ce que je voulais dire? Et du coup, il y a eu quel taux de perte au final? Pas trop de samouraïs, mais beaucoup de marchands, quoi. Ouais. C'est pas... ouais, tu dois avoir... allez, centaines de morts dans les hauts marchands de la ville. Ça fait beaucoup, ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, c'est pas forcément les marchands eux-mêmes, hein... Ça peut être leur époux, leur épouse, leur enfant, leur serviteur, voilà, mais... AFK une minute. Bah dites-moi hein, si vous avez envie de préparer autre chose, sinon je lance le truc. Hein. Non, et puis du coup, ben, là je posais la question simplement à Kodo et Shinjo qui sont... Samurai-sama, quel va être l'angle d'attaque pour cette cour? Qu'est-ce que... Ben, je ne sais pas trop, enfin, je sais que justement, je ne sais pas trop, justement, ce qui va se dire dans cette cour. Il est un fait à savoir, c'est que il pourrait être tenu responsable, mon carreau, étant donné qu'il a organisé la cérémonie, quoi. Est-ce que tous les moyens dont il disposait dépendaient uniquement de lui? Bah... du clan aussi, ça va de soi. Mais assurément, certaines personnes savent se protéger. Et assurer leurs arrières. Du coup, en gros, la cour, elle va servir à désigner qui est responsable. Et quels sont les moyens d'agir pour pas que ça se reproduise. Alors bah moi j'aurais une solution qui est que les arènes soient un lieu fixe suffisamment protégé. Comme on le crée dans le château de Shinjo. Très bien. Étant donné que le village de Shinjo est le nouveau point d'ancrage des défenses qui sont dans les colonies, quel meilleur endroit que pour rassembler toutes les troupes. D'ailleurs je suis surpris qu'il y ait eu aussi peu de troupes... de la licorne présente. Oh là là, tu commences à jouer en politique, là, tu balances direct. Ouais, c'est plus dauphin. Ouais, c'est pas faux, ouais. Bien joué. Hein. Je pense qu'il faudra que je leur dise pareil. Mais oui. Je l'ai enregistré si tu veux. Mais ouais, enfin, moi je vois ça comme angle d'attaque possible pour éviter que le carreau et ou Shinjo soient catalogués et catapultés coupables par avance. Voilà. En gros, voilà, on va dire le truc de base, c'est le carreau qui prend. Parce que c'est lui qui a organisé. Et puis voilà. C'est pas quelqu'un de très très important pour le clan. Voilà. Donc c'est pas non plus, c'est insacrifiable pour le gouverneur. pas pour le gouverneur, pour l'ambassadeur, j'entends. Puis lui, ça lui permet peut-être de... se dédouaner tranquillement. Ouais, c'est ça. Possibilité, et de dire que c'est pas c'est la faute à personne, c'est eux qui ont attaqué, c'est eux qui doivent payer, donc plutôt mettre, on va dire, l'accent sur les adversaires, et donc essayer de demander une réponse martiale forte. Le Maharaja Ramkesh est là pour contrer cette offensive, cette tentative, ou du moins expliquer que si vous le faites, faites-le contre les bonnes personnes, et qu'on n'est pas tous à mettre dans le même panier. En gros, ça va être son discours à lui. Hein. Et après, voilà, y a la possibilité d'essayer de retourner le truc pour viser le gouverneur, l'ambassadeur Licorne aurait donné pas ses troupes, par exemple. Ben, vu la menace latente qu'il y a en ce moment avec les Ivindi, où c'est pas, il y a pas que la magistrature qui est au courant qu'avec les Ivindi c'est chaud parce que il y a des attaques un peu partout. Même Rokugan a envoyé des troupes pour résoudre le problème entre guillemets quand il s'agit des impôts. C'est-à-dire, donc c'est connu qu'à l'heure actuelle avec les Ivindi c'est chaud. Alors, les impôts, c'est pas forcément que les Ivindi, hein. Oui, non, je sais bien, mais le truc des impôts, là, ils ont quand même envoyé des troupes pour protéger les récolteurs d'impôts, parce que ils se sont rendus compte qu'ils avaient eu des gros problèmes jusque-là. Du coup, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, y a des problèmes de tension et de comportements martiaux menaçants. Et du coup, c'est étonnant qu'il y ait aussi peu de troupes qui étaient dispatchées pour un événement aussi important. Autre possibilité aussi, autre élément qui rentre en truc, c'est que les meilleurs généraux qui auraient pu peut-être donner des ordres pour contre-attaquer, ils étaient blessés puisqu'ils ont participé au tournoi. Ouais, je propose que pour le prochain tournoi, il y ait un certain nombre de généraux qui, enfin, pas toujours les mêmes, mais qui soient... de toute façon, la gouverneure a interdit à Akodo et Chisaba de participer à un tournoi. Après l'événement? Ou avant? Non, à tout tournoi. Ça sent la manœuvre de Madame Akodo. Et elle lui a interdit ça quand? La semaine dernière. Ah ouais, il est passé voir la gouverneure quand elle était pas là, quoi. Comme ça, au moins, elle sait qu'il y a au moins un général. S'il avait bien fait son résumé, il te l'aurait dit, tu vois, mais bon. J'ai oublié, désolé. Mais on sait tous que monsieur Akodo aime bien ne transmettre que des informations partielles. Ouais. Oui, mais c'est parce qu'en fait c'est un scorpion qui joue un Akodo. Moi en tant qu'Akodo, je vous donne seulement ce que vous avez besoin de savoir pour pas que vous ayez peur. Oui, mais en tant que scorpion, j'ai besoin de tout savoir. Oui, mais c'est-à-dire que Bayushi, tu l'as fait aussi, hein, de dire des informations. Hein. Et on a les vidéos. Oui, mais moi c'est pour le bien de leur honneur. C'est pas pareil. J'ai sacrifié mon honneur pour sauver le leur. Et ils n'ont pas besoin de le savoir. Du coup, je crois qu'on est plus ou moins prêt pour la rue de soirée. Ok. Donc vous... Alors, évidemment, vous avez maintenant une stature qui fait que vous n'avez pas à arriver dans les premiers. Hein, clairement. Bon point. Donc, par contre, lui, le Maharaja, lui, va devoir y aller beaucoup plus tôt. Donc, il va rester évidemment en retrait. Il va quasiment y aller parmi les premiers, lui, non, je crois, parce que du coup, ouais. Il est avant les Ronins et tout le boxon, quoi. Ouais. Lui, il va dans les premiers. On le met tout au fond de la pièce où on le voit pas beaucoup. Alors, qui va y avoir dans cette cour ? Bon, ça les connaître, hein. Tous les ambassadeurs déjà. Évidemment. Il va y avoir pas mal de crabes marchands qui vont gueuler parce qu'ils ont perdu. Aussi, c'est bien vu. Donc, les principaux clans marchands vont être assez représentés, hein, donc les grues, les crabes et les licornes. Les ambassadeurs de chaque clan. Dans la pièce. On va le faire comme ça. Les deux courtisans courtisan perception. Donc, si les personnes... Courtisan perception. Ouais. J'ai envie, allez. Oh, alors que là c'est juste en rentrant, hein, c'est... Voilà, ça, après vous aurez les mêmes infos plus tard en discutant, quoi. Alors, courtisan perception... courtisan perception, ça peut donner un truc sympa, donc... En votre joueur, et pas votre... personnage, pas joueur. C'est pas mal comme symbole. Ouais. Et c'est un grand G, hein. Bon, ça va. Alors. Et alors, qu'est-ce que vous... qui vous rencontrez? Donc il y a une pléthore de petits samouraïs qui sont probablement, parmi certains, les participants du Genpuku. Leur première cour. Ouais. Ça c'est des Genpuku dont ils se souviendront toute leur vie. C'est leur première cour depuis qu'ils sont samouraïs, et aussi ils sont là en tant que témoins puisque eux ont participé à l'effort de... Ils se sont battus contre les assaillants en fait. Donc qui vous avez les grands classiques, hein, du Kitsu Tsumai, du Matsu Sakiko, Bayushi à ton frère, il y a d'autres... Il y a l'Isawa, la Shiba, là, je sais plus comment elle s'appelle. La garde du corps ? Ouais. Qui fait partie de la délégation. Ah, j'ai affiché plutôt le. Je sais pas. Il va chercher à boire. J'ai sur mon mind map, je le retrouve. Alors. Oh. Ouais. Voilà. Bakarico. Ensuite, donc il y a évidemment vos épouses. Il n'y a pas ton époux par contre, Shinjo, parce qu'il reste au village. Hein. D'accord. Ouais, ça je m'en doute. Il y a Ikoma, il y a Ikoma Shika, il y a Ikoma Seito. Grands ambassadeurs, donc ça vous l'avez vu. Alors il y en a une, je sais pas si vous, si je l'ai notée. Peut-être sur la fiche de... Voilà. Sur ta fiche à toi, Bayushi, tu dois la voir, je pense. Pas en même temps, si tu me dis pas plus d'infos, oui, j'ai des... Mais non, mais c'est que... Oui, mais c'est que si je te dis... Ah, c'est chiant, j'ai un problème d'affichage sur mon navigateur. Ok, voilà, je vais te trouver. Donc... Ma fiche contact est clairement pas à jour. Il manque des gens, je pense, beaucoup, même. Pour être précis. Non, ta page contact que tu l'as mise. Tu parles de la crabe qui était prisonnière des Mantes? Ouais. Ah, c'est vers le bas de la page, les pirates... Ah mais elle est super longue ta page quoi. Non mais sérieux quoi. Tu cherches le nom? Ouais. Isawa, non. C'est une caillou, non? C'est une Yasuki. Non, c'est une Ushi, je crois. Yasuki Kosai, c'est son père. Yasuki Akane. C'est bon, je trouve. Ça. Je vais pas retrouver même si Yasuki. Voilà, ah là, trouvé. Voilà. Donc il y a Yasuki Akane, Akane. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bon, après vous avez toutes les délégations classiques, vous commencez à connaître, je pense, relativement bien la population de Seconde Cité. Donc après vous arrive, elle va arriver, bon, l'ambassadeur Gru, elle va arriver un peu après vous, je pense, quand même. Et le gouvernement qui va arriver, donc en gros... La sœur de la gouverneure, quelques ministres. Ça par contre... Vous avez Doji Arashige qui est là, Seppun Shitata, Isawa Shizaki et Yoritomo Asuka. Voilà, c'est le gros du gouvernement quoi. Elle est pas là, Otomo Nami ? Otomo Nami. Nami, si, c'est la sœur, ça. Mais elle a pas de rôle officiel. Elle est co-courtisane. Ouais, c'est plutôt porte-parole de sa sœur, quoi. Takama et Otomo Moritaka, qui sont aussi des gens proches, enfin qui sont aussi deux frères de Sukime. Chancelier de la droite et chancelier de la gauche. En effet. Ancien patron d'Otomo Akio. Tout à fait. Ça fait partie des notes de tout le monde, ça. Et peut-être, mais ça j'en sais rien. Ça fait partie des notes que j'ai copié-collé à tout le monde. En début de... Surtout pour vous deux, parce que vous étiez arrivés après, quoi. Mais voilà. Donc... Passé. Qui veut faire quoi? Donc la gouverneure va arriver. Le fils de l'impératrice ne sera pas là. Donc le mari de la gouverneure ne sera pas là. Oui, il se remet de ses blessures. Quel est son état? Est-ce qu'on peut le savoir? Empoisonnement, etc. Ça, tu peux pas le demander d'un coup, t'as dit la fois dernière, ça risque de... Non, mais je demande par des canaux, comme à Shinjo, par exemple, à l'oreille privée de l'impératrice, si... Non mais toi aussi tu l'as. Ah bah, mais... moi, je me serais... j'aurais demandé à... comme information à savoir ça en fait. Oui. Je serais... Bah en fait, mais ça c'est dans la ville, hein, y a la petite rumeur qui court quand même. En gros, il en a grave chié, mais ça a l'air d'aller mieux. Il va avoir un peu pas mal de temps de convalescence, mais ça devrait aller. Donc. Qui veut démarrer le bal? Moi j'attends de pouvoir placer mon truc parce que si ça sort de nulle part, c'est pas vraiment idéal en fait. Enfin... Alors. Donc je sais pas. Bah peut-être que Shinjo veut commencer par remettre le sabre. Le sabre, ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Ouais. Mais sinon j'ai dit à la gouverneure que pour l'instant j'avais trouvé aucune preuve sur les Yodotai et les. Il est Ivindi en fait. Les informations, j'ai pas de. L'ambassadeur Yodotai est là. Ouais, mais j'irai le voir, mais non, mais je dis parce que pour pas qu'elle se mouille aussi, que je n'ai pas de preuves pour l'instant. Je vais essayer de lui parler, mais je n'ai pas de preuves officielles. J'aurais pas qu'elle porte une accusation sans soutien. Bon bah du coup, moi je me lance, hein, je vais rapporter le katana à Kakita Mito Ime-sama. J'en prie. Formule favorable. Bon, tu te lèves, vas-y, allez. Ah. Fais-moi un petit jet d'étiquette. Mais non, c'est pas la peine, voyons. Ça va. Y a pas le fils de l'impératrice. Ouais. C'est pas encore idéal, mais ça passe. Attends, c'est 34 quand même, j'ai fait un 10 pour une fois. Eh ouais, mais voilà, on a quand même la gouverneure. Bon, la gouverneure t'aime bien, donc ça va. Elle te rend pas difficile de loger. Donc du coup, tu te lèves. Je suppose que tu le fais quand tout le monde est là. Hein. Tu vas je vais pas le faire. Non, mais je vais pas le faire quand la gouverneure est pas là. Le but c'est que c'est. Ça peut se faire avant, hein. Ça peut se faire avant. Ouais, mais non, le but c'est de valider la chose, quoi. Je veux dire, c'est oui. Puis pour essayer de calmer les esprits, disant voilà, c'est bon les gars, c'est la fête, quoi. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc bah, vas-y, je t'en prie, comment tu formules ta phrase? Donc Kakita Mitoime-sama. Sama. Je viens vous remettre le katana que vous avez gagné lors des jeux. Donc je lui tends le katana et je dis ceci est le symbole de votre victoire, quoi. Elle te salue, elle prend l'objet, elle te remercie, Shinjo Xiya-sama. Je suis ravi de savoir que cette femme n'a pas été perdue durant la bataille, et j'en ferai honneur pendant l'année qui vient. Ah, je lui dis, je la remercie beaucoup, je lui dis félicitations pour votre victoire. Des telles. pour satisfaire ma curiosité, Shinjo Xiya-sama. Tu vas mentir ou pas? Bah, je sais pas pourquoi je mentirais, quoi. Je veux dire, à partir du moment où la remise n'a pas été faite, le katana est toujours au porteur, quoi. Ouais, oui, c'est pas faux. Y a pas vol ni soustraction, quoi. Je veux dire. Après, y a de la malice dans le MJ, mais y a pas de malice dans sa parole à elle. Non, mais moi la malice du MJ, je la sens gros comme un camion. Là, je sais où il veut me l'emmener. Non, elle, ce qu'elle essaie de savoir, c'est ce qu'il a porté. Parce que si un Gaijin l'a porté, ouais, elle va aller le faire purifier. Ah oui, non, semaines, ouais. Hein. Voilà, il y a ça aussi, quoi. Kakita Mito-Hime-sama, cette arme a appartenu pendant un an à Utaku Kimli Sama. C'est simplement elle qui portait cette arme lors de l'attaque du village. J'allais dire... Oui, Kakita Mito-Isama, cette arme a servi à protéger le village, à juste titre, de cette attaque. Otaku Kimli se battre pendant le tournoi, je me doute que cette lame a été efficace. Nous n'avons pu dénombrer le nombre de cadavres. Non, j'ai pas dit ça quand même, mais bon. C'est vrai. Ouais, c'est-à-dire que bon... Il y a un peu trop de morceaux pour savoir qui était de quoi. C'est ça, quoi. Ah, mais clairement, Otaku Kimli, quand elle est revenue, elle était couverte de sang. Et elle a fait peur à des soldats qui étaient avec elle. Je vais lui dire à la place, je vais lui dire qu'il y a eu un nombre incalculable de morts, et je vais dire, Kakita Mito-Isama, cette arme a décidément une longue vie pleine de gloire devant elle. De porteur. Ouais, j'espère être aussi efficace que son ancien porteur. J'aimerais bien dire quelque chose, mais je sais pas trop comment tourner ma phrase en fait. Voyons voir. Je veux dire, Kakita Mito-Hime-sama, il y a un adage qui court, qui dit qui sème le vent récolte la tempête. Certaines de nos actions qui peuvent sembler justes ou de droit peuvent avoir des conséquences parfois totalement inattendues. J'ai du mal à vous. Ça semble un peu sortir de nulle part, ça, non? Bah en fait, ce que je veux dire, c'est que si jamais elle va dire faire comme Utaku Kimli, voilà, par vengeance ou par voilà, comme ça tuer les gens inutilement, c'est pas forcément bien. C'est bon, peut-être mal exprimé. Hein, parce que t'es en train de dire à une super dueliste de la mort qui tue qu'elle fera une faute de jugement. Hein. Bon, du coup, je dis rien alors. Enfin, c'est une insulte envers elle, donc elle va pas répondre parce qu'elle est honorable. Bah, c'est pas forcément une insulte, quoi. Juste, voilà, il faut... Bah, tu mets en cause sa capacité à juger. Quelque part, c'est insultant. Pour elle. Ouais. Elle peut le prendre comme ça. Elle peut le prendre comme ça. Mais elle va faire fi de tes insultes. Enfin, elle va mettre ça sur le fait que t'es pas doué. Ah, ces gens qui comprennent rien à la compassion, quoi, franchement. Bon, bah, du coup, je la refélicite, et puis, je m'en vais. Mais, non, mais du coup, elle va pas te laisser partir, oh là, attends. Comment s'est passé la suite de la bataille après le départ du convoi, Shinjo Xiya-sama? Je suis sûr que toute la cour a hâte d'entendre ces événements. En espérant de bonnes nouvelles. Donc, Kakita Mito-Hime-sama... Et tout le monde est au courant déjà, hein. Tu le sais. Hein, ouais, c'est un pic qu'elle lance, quoi. Non, mais c'est pas vraiment un pic, c'est plutôt pour officialiser la chose. C'est que tout le monde a eu des rumeurs sur qu'est-ce qui s'est passé après. Les rumeurs ont probablement été un peu déformées, donc là, on essaie de mettre à plat. Et donc, on demande à la personne qui sait. Tout simplement. Okay. Faut pas y voir quelque chose de méchant. Hein. Après, venant de toi, on sait jamais. Hein. Évidemment, si tu leur donnes le bâton pour qu'ils tapent sur les licornes pour faire le mus, ils vont le faire. Après, les grues, c'est pas non plus les plus véhéments contre les licornes. Bien que ces temps-ci, c'est amour-haine un peu. Ouais. Donc, Kakita Mito Hime-sama, les Ivindi ont pu être refoulés du village. La plupart ont été tués lors de leur fuite. AFK. Un grand nombre d'ailleurs par Utaku Kimli. Nous avons eu à déplorer de nombreuses pertes parmi les samouraïs qui assuraient la sécurité du village. Vous m'envoyez désolé, cette nouvelle. Donc si je comprends bien, leur objectif n'était pas l'arme, comme on l'a supposé au début. Non. Il semble qu'ils visaient tout simplement la cérémonie en elle-même. Les prisonniers que nous avons interrogés ont clairement fait état de faire partie d'un groupement religieux. Par contre, je sais pas si j'ai le droit de dire que c'est par rapport aux destructeurs. Bah oui, t'as le droit, oui. Ouais, donc tu peux dire que c'est le culte interdit ou un truc comme ça. Ouais, le culte interdit. Donc là, le clan de l'araignée prend la parole en disant que il est peu probable que cette secte soit encore assez puissante pour former une si grande attaque. Contre elle depuis bien longtemps. Nous avons éradiqué la masse de ses troupes, Shinjo Xiya-sama. Le bâton s'est fait taper dessus. Tracer les gens et les remballer. Tu dis de la merde, ambassadeur de mes deux. C'est une très bonne phrase pour le faire. Mais je suis pas convaincu de comment ça finit. Ouais, mais surtout, ils assurent un petit peu, entre guillemets, presque, sans le vouloir, la protection de mon village, donc j'ai pas non plus en faire des ennemis. Il annonce juste un fait, hein, tu peux... Ouais, mais c'est vrai, je cherche comment pour pas le contredire, en fait, pour pas le mettre... Bah, tu dis une vérité qui est que... Il semblerait qu'ils aient laissé tomber les armées traditionnelles pour des trucs plus spécifiques... Tu prends son argument et tu es d'accord avec lui, mais... C'est qui a causé ? C'est l'ambassadeur araignée, enfin, en représentant araignée, il n'y a pas vraiment d'ambassadeur araignée, okay. Araignée-sama, je suis tout à fait d'accord avec vous. Cependant, il est un fait que les prisonniers que nous avons interrogés ont clairement stipulé appartenir à ce regroupement. Très bien, Shinjo Xiya-sama. Me permettez-vous... sont-ils encore en vie? Tout à fait. Il ne me semblait pas les avoir tués. Ouais, alors ça va pas tarder quand même, hein. Parce que... Et ton chef de la sécurité... Ton chef de la sécurité crabe, son épouse et ton mari, ils vont pas les garder, les nourrir pendant 25 ans, les mecs, hein. Clairement. Ouais. Donc nous pouvons nous assurer de cela en faisant parvenir à mon village rapidement un message. Permettez-moi d'envoyer quelques soldats du clan de l'araignée afin de mener l'interrogatoire et de vérifier que ces personnes font bien partie de ce culte. Mais tout à fait. Vous avez toute mon entière coopération vis-à-vis de cela. Bah, du coup, il te salue, il recule. Bah, il frime un peu avec ça, tu vois, genre il va te dire, ouais, nous on a la connaissance pour... Nous, on les tabasse depuis longtemps, on sait les reconnaître, quoi. Voilà. Vas-y, fais ton boulot. J'aurais bien dit de pas torturer les gens sur mon village, d'aller à l'extérieur de mon village, mais bon. Ah, ils vont trouver une cave tranquillou, t'inquiète. Shinjo Xiya-sama... Xiya-sama, excusez-moi. Shinjo Xiya-sama. M'autorisez-vous à assister à ces interrogatoires afin que je puisse... peut-être obtenir des informations qui seraient utiles dans la mission de pacifier les relations avec les Ivindi sur le long terme. Mais Bayushi Takashi-sama, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Je vous remercie. Tac, tac. Bah, du coup, c'est la gouverneure qui va répondre à ça. Très bien, je vois que les conséquences... Enfin, je vous remercie, Shinjo Xiya-sama, d'avoir effacé une séquence de cette affreuse catastrophe. Et maintenant, vous comprenez que nous avons tous à réfléchir à comment agir afin que cela ne se reproduise plus. Akodo Echi-sama. Oui. Maintenant que vous êtes de vous-même, pouvez-vous nous décrire un petit peu ce que vous avez compris de la bataille? D'après les dires des combattants, ou de ces commandants émérites de Bayushi et Shinjo Xiya, je peux dire que les Ivindi ont dû être surprenants et auraient sûrement donné du fil à retordre aux plus grands généraux spécialisés. Je pense par exemple à Sukume, non c'est pas Sukume, c'est le général araignée, spécialisé contre les Ivindi. Yoritomo. Non c'est pas Yoritomo, c'est un araignée, comment il s'appelait? Gutsu Yoritomo il s'appelait je crois. Non. Ok. J'aurais pas dit ça comme ça, je suis peut-être pas loin, mais c'est pas tout à fait ça, je pense. Faut que je regarde, mais enfin bref, je termine ma phrase. Et je pense que même lui aurait eu des difficultés parce que d'après ce que j'ai compris, les techniques employées par les Ivindi sortaient du cadre habituel de leur pratique guerrière. Alors, c'est principalement une de tes conclusions à toi, ça. Oui. Hein, on t'a rapporté les faits, toi t'en as conclu ça. Oui, voilà. Voilà, donc voilà, sortent de leur aptitude. Et du coup, le groupe d'attaquants sont motivés par un fanatisme, ce qui les rend dangereux. Ils ne se battent pas pour quelque chose, mais pour justement un fanatisme religieux. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et c'est une menace qui sera grandissante tant que nous ne l'aurons pas éradiquée. Puisque pour l'instant, ils vont sûrement exploiter cette faiblesse par que les Ivindi qui ne sont pas encore rentrés dans le combat par rapport à notre présence. Et si on ne jugule pas cette réalité-là, d'autres Ivindi pourraient être tentés de suivre ce pas-là s'ils ont soit, comme diraient certains, à redire de nous, soit tout simplement pour un idéal indépendantiste. Elle va se tourner, du coup, elle te remercie pour ton intervention. Oui. Elle va se tourner vers la délégation Grue et Crabe pour leur demander les conséquences des pertes sur la ville de Seconde Cité même. En gros, les deux vont répondre que la situation est précaire puisque le quartier des marchands a perdu une grande quantité de son élite, en gros, hein, de ses plus grands représentants, stabiliser la situation économique du quartier et donc de la ville, qu'il risque d'y avoir des petites guerres de succession entre les différents héritiers ou associés des personnes qui sont décédées, et que en gros ça va pas être bon pour les affaires. Si, pour les groupes. Ouais. Bah, ils vont le formuler autrement, mais c'est l'idée quoi. Et que du coup ils s'attendent à beaucoup de réticences, et le Crabe va informer qu'il y a quand même un mouvement assez on va dire, en nombre, le fait que les samouraïs ne font plus leur travail, les marchands, et même les paysans commencent à le ressentir aussi, les araignées confirmeront que les samouraïs restent dans leur pouvoir, en gros. Ils ne font pas le travail de défendre les émiles. Un petit filet de révolte populaire. Légère, mais pas agressive pour l'instant. Hein. C'est plutôt une grève, entre guillemets. Oui, mais les tempêtes, ça vient toujours d'un petit coup de vent au début. Pour arrivant, ok. Du coup, la gouverneure dit « J'ai décidé de prendre mes responsabilités et je décide de mettre les colonies sous l'état d'urgence. » C'est un état d'urgence temporaire renouvelé jusqu'à ce que la mort s'ensuive, c'est ça ? C'est ça. Donc... alors... c'est peut-être pas le bon moment, mais j'avais envie de rappeler le fait que... Il fallait... Ouais, tant pis, je vais faire quand même. Je sais pas comment présenter ça, mais bref. Krabsama, gouverneur Dono, parfaitement d'accord avec vous qu'il faut s'assurer de protéger tous et chacun dans les colonies, surtout en tant que samouraï. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus, enfin qu'il faut faire attention à ne pas faire porter la charge de la culpabilité sur l'intégralité de tous les Ivindi. Le fait est que, à l'heure actuelle, nous avons une montée en puissance de certains groupuscules religieux, mais nous avons aussi une montée en puissance d'une défiance de la part des Ivindi, entre autres du fait de... dont ils ont été victimes, parfois gratuitement, et en dehors, enfin aux limites des règles du Bushido. Et je souhaiterais m'assurer qu'on fasse attention à ce que, malgré cet état d'urgence, on assure à tous les Ivindi la possibilité de ne pas être tués à vue. Et de ne pas servir de défouloir à des samouraïs perdus de vue certains... Enfin, de ne pas servir de cible d'entraînement à certains samouraïs moins conscients de la situation. Ces gens... sont des habitants de l'Empire de Rokugan et ont des droits à ce titre. Et sont protégés par l'Empire de Rokugan à ce titre. Ce serait plus vite. T'as un gamin scorpion qui va prendre la parole. Tout jeune, qui a son Genpuku, qui a eu son Genpuku cette année. Et il va dire... Alors c'est pas le seul, c'est lui qui parle, mais grosso modo, tu comprends qu'il y a une petite troupe qui est d'accord avec lui, parmi lesquelles t'as des lions, des phénix, un peu des grues aussi, que des jeunes. Hein. Et il va te dire, Bayushi Takayoshi-sama, de la part de samouraï, d'accorder à Sekijin un statut privilégié alors que les émimes de Rokugan et des colonies acceptent ce genre de traitement. Bon, il lâche le micro, il retourne dans ses potes et voilà. Voilà d'accorder un statut privilégié, mais de laisser le temps à des gens qui ne connaissent ni nos humes ni nos coutumes, de les apprendre et de les intégrer suffisamment pour qu'ils finissent par accepter nos us et coutumes. À l'heure actuelle, nombre d'Ivindi ne sont pas réellement au courant de l'ordre céleste et de la place qui leur est accordée dedans. Et je doute... Bah, dehors en fait. Hein ? Oui, non mais... Ouais, la place qu'il a accordée dedans en tant qu'occupant de l'Empire de Rokugan, des colonies de l'Empire de Rokugan. On va rappeler ce point de détail. Bah, en fait, ta formulation, c'est qu'ils sont pas dans l'Ordre Céleste, donc ils ont pas de place dedans. Ils ont une place dehors, si tu veux. Ouais, il va falloir leur faire une place quelque part, parce que je rappelle qu'ils sont quand même des membres de l'Empire. Oui. C'est des membres qui n'ont aucun droit. Après, ça peut évoluer. C'est des sans-papiers, quoi. Ouais, enfin, le problème, c'est que c'est plutôt des Indiens d'Amérique, quoi. D'ailleurs, il arrive à peu près la même chose, c'est drôle. Ah bah, c'est drôle, c'est un peu une inspiration, hein, mais... C'est complètement une inspiration. Bref. Donc ouais, j'explique que c'est pas une question de statut privilégié, c'est une question de... Il faut éduquer ces gens et on ne peut pas attendre de gens qui n'ont pas d'informations de se comporter comme ils devraient se comporter. D'autant que... Enfin, voilà. Oui mais si on les punit pour les mêmes actions, ils nous apprendront. Ils ont les moyens d'apprendre pour quelles actions ils sont punis, seulement et ça va. Oui, mais l'éducation a toujours passé par la punition. Donc il le dit pas comme ça lui, hein, mais en gros l'idée qu'il essaie de te montrer, c'est que si tu les traites, on va dire si tu patientes et que tu attends qu'il les a appris, les coutumes, bah ça arrivera peut-être, mais c'est long. Alors que bon, le mec qui fait une erreur. Pouf, tu le punis, il la fera pas deux fois, quoi. Ah, et après, on a une insurrection. Bah, sous-entendu, ils montrent l'exemple aux autres, quoi. Les autres la feront pas, les heures. Oui, et après, on a une insurrection. Là, je me lève, du coup, pour répondre à la personne, si c'est possible. Oui, vas-y. C'est un gamin, hein. Tu me diras, mon personnage a 15-16 ans. Je lui ai dit... non, t'as un peu plus que ça, maintenant. Ouais, j'arrive à 13 ans. Maintenant. Ah, je sais pas. J'ai commencé à 13 et mes gosses ils ont 6 ans. Donc... Ouais, mais ça fait 3, enfin ça fait 3-4 ans où vous êtes. Ah, c'est ça. Ouais, toi ça fait un peu plus parce que t'as eu ton Genpuku il y a un petit moment déjà. Avant même que tu commences, enfin ton perso avait une petite histoire entre les deux, quoi. Donc ouais. Donc je me lève et j'ai dit. Bon, certains me connaissent, je pratique plusieurs politiques par rapport à ce genre de problème et la politique de l'exécution n'est pas une politique qui m'effraie. Mais je sais reconnaître la subtilité et l'intelligence dans les propos de Bayushi qui nous invite à faire prompt de retenue, non pas dans le cadre de l'éducation, mais de leur montrer la justice de nos katanas afin d'éviter, comme dans tout pays, que ce soit Rokugan ou dans les colonies, une révolte pour de l'injustice, qui ici, malheureusement, se couplerait en plus d'une révolte indépendantiste, ce qui ne se ferait pas à Rokugan, seulement une révolte d'injustice. Ah. Dojiyuka va intervenir. Akodo et Chisama, vous considérez que les colonies ne sont pas le même pays que Rokugan ? Ah bon ? Non, je n'ai pas dit ça. Je pense vu comme tu l'as formulé, ou si tu réponds ça, elle va te dire... Vas-y, continue. Alors, je voulais dire que l'intégration de la population dans l'ordre céleste n'existe pas encore. C'est ça, on est d'accord. Hein. Et que l'intégration du peuple Ivindi dans nos colonies font que les colonies... sont un territoire que l'on doit maîtriser plus que de raison qu'à Rokugan au niveau de sa population, alors servile, mais c'est pas dans le sens négatif que j'aimerais le dire, tu vois, dans sa population chacun sa place, quoi. Bah, les petites gens, quoi. Voilà, et du coup en cette là il y a un énorme travail d'intégration, alors pas d'intégration comme on le voit à l'occidental, hein. C'est que nous propose Bayushi-sama, qui est à prendre en considération pour nos manœuvres militaires dans ce pays, si nous ne voulons pas justement, parce que malheureusement la population n'a pas encore intégré qu'ils étaient enfin qu'ils étaient, non, je sais pas, n'ont pas encore intégré dans leur ensemble la pensée traditionnelle Rokugan. En gros, le faire qu'ils sont totalement, voilà, ils seraient, que c'est un mec du lion comme un mec de la grue, ils se posent pas la question, il est Rokugan quoi. Eux, ils savent très bien qu'ils sont pas intégrés. Je sais pas si j'ai été très clair. Mais... J'espère que ça te contredit pas, hein. J'essayais plus de te soutenir en fait, Bayushi, du coup. Non, j'ai pas l'impression que tu m'aies contredit, mais... Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que t'as parlé de plusieurs nations, de plusieurs pays. Ouais, j'ai fait une erreur, peut-être. Et du coup... non, moi je trouve que c'était bien présenté, parce que du coup, effectivement, c'est peut-être une connie, c'est peut-être les mêmes règles qu'à Rokugan, mais c'est pas pareil, parce qu'à Rokugan, ils ont pas les gaijin chez eux, quoi. Oui, c'est sûr, mais du coup, voilà, politiquement, ça peut être, comment dire, une petite perche, quoi. Ah oui, totalement, je suis d'accord. Alors, du coup, Xiya va peut-être dire quelque chose, quoi. Alors, du coup, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Bayushi Takayoshi-sama. Je tiens aussi à préciser que le nombre des gaijin qui se trouvent, enfin des Ivindi qui se trouvent dans nos villages se retrouvent entre deux mondes, le nôtre et le leur. Il est à noter que, en travaillant pour nous, donc Rokugani, ils se voient affublés d'un statut de traître envers leur propre peuple. Du coup, ils se retrouvent absolument sans aucun soutien. Malmener cette population ne servirait qu'à attiser les foudres envers Rokugani. Alors que ces gens ne désirent simplement que s'intégrer. Voilà. Samurai-san, il est facile lorsqu'on est... voir le monde en noir et blanc. Mais le fait est que... lorsque vous aurez parcouru les terres de ces colonies et expérimenté les problématiques spécifiques qui y sont liées, vous vous rendrez compte que, à l'heure actuelle... faire accepter que ces terres appartiennent à Rokugan par les Ivindi est au moins aussi important que de faire taire les menaces armées et la raison est toute simple, ils sont plus nombreux que les Rokugani, ils connaissent les lieux et ils connaissent comment survivre dans les colonies mieux que la majorité des Rokugani. Et si nous, au lieu de les éduquer et de leur donner les moyens d'accepter d'être activement des membres de l'Empire, nous les poussons à la révolte, nous perdrons sur tous les plans. Il leur est facile d'obtenir de l'aide d'autres peuples en dehors des frontières Rokugani. Peuples qui ont déjà parfois rencontré les Rokugani ne sont pas forcément nos meilleurs alliés. Nous avons, en tant que membres de l'Empire Rokugani, obligation de nous battre sur tous les plans afin que Rokugan... se développe. Non, c'est pas ça le mot qui manque. Brille. Hein ? Brille, non, ouais, non, c'est l'inverse de Périclite, mais j'arrive plus à retrouver le mot. Bref, que Rokugan brille et... que ça soit par sa puissance militaire, sa puissance culturelle ou sa puissance économique. Et de ce fait, nous ne pouvons pas, nous, en tant que samouraïs, nous abaisser à prendre fermer les yeux sur les complexités de ce monde et fermer les yeux sur les efforts qu'il nous est nécessaire de faire afin que Rokugan continue à apporter culture et connaissance au peuple que nous rencontrons. Bon, là, du coup, tu vas avoir réussi à lui faire fermer sa gueule, clairement. Petite leçon de choses. Tu veux jouer avec un scorpion ? Bah, clairement, vous êtes jeune, en termes d'âge, effectivement, il n'y a pas une grosse différence. Mais en termes de maturité, il y a des millions d'années, quoi. Oui, ça, bah oui. Ce que vous avez vécu, vous, voilà, on a fait plus de merde que n'importe quel autre. Et vous étiez comme lui, il y a quelques années, hein. Ah, pas moi. On a tué un Rakasha, on a tué... Ah, j'ai vécu 3 guerres, moi, hein, et toi? Moi j'ai... Ah, mais là, quelque part, il a eu des XP, le gamin, là, donc il est content. Ouais. Ah bah oui, il a gagné un petit peu de statut en mode « Regardez, j'ai parlé à une cour, j'ai essayé de tenir tête à un machin bidule et truc. » Ouais, bah il a perdu un petit peu d'honneur dans l'histoire parce qu'il n'aura pas respecté toutes les règles de cours, etc. Mais ouais. Bon, par contre, on est d'accord, vu comment on bossait tous ensemble, un mec qui attaque la langue de 3, il sait que les deux autres réagissent. Hein. Les gars, ouais, je crois qu'ils font bloc. Ouais. Ça. Ils sont puis 3 clans différents en plus. Hein, hein. Donc, 3 clans différents et ils sont plus ou moins, on va dire, dans les colonies de statut majeur dans leur clan. Bah oui. Donc du coup, il y en a pas un qui a 20 ans. Ouais. Non, mais du coup, le mec en courtisan qui commence à nous attaquer, il a intérêt à avoir des putains de couilles et du mocha derrière. Hein. Il a un putain de statut parce que le petit jeune, je te rappelle que dans le tas, il y en a un qui a juste défié la grue, quoi. Donc là, la gouverneure, enfin un des gouverneurs, enfin un des ministres de la gouverneure, bah ça va être Seppun Shitata, qui va dire Shinjo Xiya-sama, au vu du fiasco qui s'est déroulé dans votre village. Qui en incombe la faute, d'après vous? Seppun Shitata, il n'y a pas eu de fiasco au sein des jeux. C'est ce que tu dis. Hein. Ah non, il y a eu une attaque, les jeux se sont bien passés. C'est pas faux. Ah, c'est... Certes, Shinjo Xiya-sama, mais... La cérémonie de remise de l'arme n'a pas eu lieu à cause d'une attaque, et cette attaque a causé de grandes pertes au sein de Seconde Cité, et nous l'avons vu, est en train de créer une fronde populaire, et donc je pense que ça pourrait être, avec moi, Shinjo Xiya-sama, que ça pourrait être... à notre dépens, une date importante pour les colonies. C'est à ce jour, je pense, le plus tragique des attentats qui ont eu lieu sur le territoire et des colonies et envers les Rokugan à ces actions, à cette catastrophe. Qui en est responsable chez Shinjo Xiya-sama? Est-ce que la sécurité avait été trop légère? S'il y a eu d'autres facteurs à prendre en compte, Shinjo Xiya-sama? Oui. Ouais, je te laissais parler, c'est pour ça. J'ai réfléchi en même temps surtout. Seppun Shitata. Ça va. Oui, Dono, même j'irais, c'est un ministre quand même. Dono, c'est pas une femme, non? Non, Dono, c'est quand c'est supérieur à toi. Bah, normalement. Si j'ai bien retenu le son. C'est ça, c'est quand c'est ton chef direct. Toi, Shinjo, t'es pas forcément obligé de donner du dono. Moi aussi. Bah, c'est un ministre quand même, quoi. Oui, tu peux, mais c'est pas... Il s'offusquera pas si je lui dis du Sama. Ah ouais, mais c'est Zia, Zia va dire du dono. Moi, je sais pas pourquoi j'avais enregistré que dono, c'était pour les femmes. Bref, c'est pas très grave. Donc du coup, je sais pas ce que je voulais dire. On le donne, à la... Vous le donnez principalement à la gouverneure, en fait. Vous le donnez à personne d'autre, en fait. Oui, mais l'ambassadrice, quoi. Cool. Scorpion. Oui. Si, ouais. Répondez à... C'est qui la faute? Ouais, je sais plus. Donc... cet intermède m'a fait pas de ligne. Donc, je dis donc... Bon, on recommence là. Donc, c'est pour une Shitata Dono. La sécurité des jeux était, de mon point de vue, correcte. c'est que certains facteurs, effectivement, sont venus semer le trouble et ennuient aux efforts des troupes pour assurer la sécurité de la cérémonie. Il lève une main pour te faire signe de la dernière phrase, mais voilà. Shimokuro-sama, expertise militaire, pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Est-ce que les troupes étaient suffisantes, vraiment bien commandées? Lui, il va répondre que, d'après ce qu'il a vu, les troupes ont... Il n'était pas là au début du combat, donc il a raté le début, mais il semble que les troupes étaient effectivement en sous-nombre, et que la pagaille a empêché un général de prendre les commandes et d'être efficace. Ça se retourne vers toi, Akodo Echi-sama. Akodo Echi-sama, est-ce que vous confirmez d'enfoncer l'ambassadeur? Ouais, tu peux me redire les termes exacts qu'il a employés pour que je puisse bien l'enfoncer? Il a dit qu'en gros il manquait un général pour commander comme il faut la troupe, et que aucun général n'avait été suffisamment présent ou en poste, enfin voilà, était là pour rassembler et créer une petite... et avoir une vision globale de la bataille. Shinjo s'est débrouillée comme elle a pu en affrontant, on va dire, le gros de la troupe, mais elle est tombée dans le piège qui était d'attirer les troupes loin de l'arène, en fait. Et clairement, il aurait fallu... Okay. Elle était en tête et elle a fait ce qui... Tout à fait... Il n'y a pas d'erreur de son côté, quoi. Il y a forte chance que si vous aussi, toi aussi, tu sois tombé dans le même piège, quoi. Oui, je pense. Cependant, s'il y avait eu une deuxième personne... Il aurait pu combler le trou et... Voilà, il aurait pu peut-être le comprendre, faire passer les ordres, etc., quoi. Bah, voilà, c'est une possibilité, quoi. Ok. Je vais dire que, connaissant Shinjo... Et autre détail, les troupes aussi étaient effectivement... Alors toi, tu l'as pas forcément vu, mais c'est vrai que ce qu'on t'a dit, et ce que t'as parlé avec Shinjo, c'est que les troupes ont été fatiguées, et qu'il y a eu un manque de communication entre les gens qui assuraient la sécurité de l'événement, et les gens qui assuraient la sécurité sur les routes et les environs. Voilà. Bah, je vais dire que oui, j'aurais stupéfait qu'il n'y ait pas eu plus d'organisation. Enfin, non, je fais gaffe à mes propos. Je vais dire que je sais reconnaître, enfin, je connais la valeur de Shinjo Xiya, mais j'aurais cru que le clan de la Licorne possédait d'autres ressources tout aussi capables qu'elle, afin de l'épauler pour un événement qui a su réunir autant de personnalités à protéger et qui n'aurait jamais dû incomber aux seules épaules d'une personne, aux seules épaules démunies de la puissance nécessaire pour combler... je vais pas dire ça comme ça. Alors, hop, sur les épaules de quelqu'un n'ayant qu'une puissance limitée pour pouvoir combler... j'essaie de trouver un truc parce que, en gros, ce que je veux dire, c'est que la Licorne aurait dû placer plus de troupes et plus de personnel officiel. Ouais. Et j'essaie de trouver les termes, en fait, pour... parce que je ne veux surtout pas dire de mal de Shinjo. Tu peux tout simplement dire que en dépit de la bravoure qu'ils ont montré pendant la bataille, voilà. Très bien. Leur nombre était tellement faible qu'ils pouvaient rien faire, quoi. Voilà. Ils pouvaient pas être partout. Alors, quoi. En dépit de la grande valeur qu'ont démontré les combattants du clan de la Licorne, je suis surpris que la direction du clan n'est pas présupposée malgré mes mes alertes, ouais, comme ça je me mouille moi, mes alertes d'affecter plus de troupes. Mais donc là je fais une ritournelle, mais je présuppose qu'il y avait plus important que la gouverneure et la cour à protéger. Ouais, là c'est violent. Mais je l'ai fait en mode innocent, tu sais, dit-il. Non mais ça s'excuse, hein, ils ont sûrement un truc plus important, hein, des chevaux. Si. Alors, l'ambassadeur licorne, il va répondre à ça quand même, minimum. Ouais. Il devrait, oui. Il est un peu accusé directement là quand même. Je lui dis, fallait pas faire chier ce soir. Le clan de la Licorne a reçu pour mission de l'impératrice elle-même d'assurer la sécurité de la route du nord qui passe par les sables brûlants pour mener jusqu'à Rokugan. Chose qui a été faite depuis 20 ans, depuis la création des colonies, 25 même, et personne n'a eu à se plaindre de cette protection. Cette protection nécessite des troupes. Mais je le sais que trop bien, et c'est pour ça que vous avez peut-être sous votre responsabilité pas de troupes suffisantes. Même si je pensais que le clan Licorne était un clan qui avait assez d'hommes, je sais très bien que loin de nos territoires d'origine, il peut être difficile d'avoir des troupes suffisantes. Ça, bon. J'en conviens, c'est ce que j'essayais de dire en disant que malheureusement les disponibilités que vous avez étaient limitées. Bizarrement, il va y avoir une rumeur qui court comme quoi il y a pas mal de troupes qui restent, licornes qui restent en sommeil dans la ville du fort de la fin du voyage. Ouais, mais tu vois, en faisant ça, en fait, je voulais foutre un peu de l'huile sur le feu en disant clairement que voilà, Mais la rumeur, c'est ta femme hein, qui l'a propagée. Ah, c'est bien, elle est douée là. Nickel. Merci. Seppun Shitata Dono. Il y a Enfin, ce n'est pas sur la responsabilité, mais c'est sur la protection des prochains jeux. Je me dis. Enfin, suite à cet événement, que construire chaque année une arène temporaire a certains avantages, certes, qui permet au clan en charge de le préparer, de montrer ses capacités d'organisation et de montrer à chacun quelles sont ses qualités. Mais je pense que l'une de ces failles est que ces enceintes sont à la fois difficiles à protéger et dénuées des moyens de protection que permettrait un lieu fixe, des toits ou des murailles, des murs pour empêcher des incommodants d'intervenir. Peut-être pourrait-il être envisagé de construire un lieu fixe avec les protections nécessaires afin de s'assurer qu'un tel événement ne puisse se reproduire à l'avenir. Sans compter que là, une des choses qui a permis de limiter les pertes était que ça se passait dans le village de Shinjo, auprès de qui ont été affrétées de nombreuses troupes, vu la mission de protection des routes par le nord. Et une position aussi, par rapport au nombre de troupes et à la position, serait aussi un atout non négligeable, afin d'avoir toujours des troupes à porter. C'est intéressant ce que tu soulignes, parce que tu soulignes le fait que les troupes étaient là pour autre chose que les jeux, en fait. Bah, la majeure partie, oui. Bah, moi, je me trompe, hein, le joueur peut se tromper, mais c'est vrai, non, t'as raison. C'était tout à fait juste, les troupes étaient... Raison, et il l'a même dit, en plus, juste avant. Oui, non, mais c'est bien, mais en insistant là-dessus... Du coup, il y a le clan du crabe qui va répondre à ton injonction, qui va être d'accord avec toi. J'aurais rajouté un truc aussi par rapport à ce qu'il a dit. Bah, vas-y, du coup, le crabe... Bah, du coup, Je puis sois, si on peut dire, cette idée évoquée par Bayushi, l'idée que sûrement un lieu fixe pour cet événement important pour les colonies, pour l'identité en fait de la région, doit demander du bâti. Et je pense, pour plusieurs raisons que j'ai évoquées, que je pense que nous avons ce lieu déjà. Je pense que le village de Shinjo, la retraite de Shinjo est un lieu important pour deux raisons, pour plusieurs raisons. La première, tout simplement, Shinjo-sama est la première à avoir organisé les Jeux, c'est sa résidence. Shinjo-sama a prouvé à tout le monde pendant cet événement tragique, Shinjo-sama a prouvé sa valeur. Et je ne connais peu de gens dans les colonies, ou en tout cas aucune personne devant moi, qui oserait médire sur son honneur. Là, quand je balance un regard, c'est le regard Akodo du Kodé, le premier va prendre ma gueule. Et enfin, quel symbole pour tous les Gaijin, pour tous les Ivindi, que cette attaque, au lieu qu'on fuit le lieu comme si on en avait peur, on le reprend, et pour montrer que justement Rokugan sera présent et sera toujours, parce que ces terres-là appartiennent et sont à Rokugan. Et que ce n'est pas une attaque d'Invindi dans les années et les venir qui vont nous prouver le contraire. Donc du coup, ce serait très symbolique et ça marquerait les esprits si ce serait ce lieu-là qui est choisi comme porte-étendard justement du Genpuku régional, annuel. Une idée que je trouvais très importante. Donc le clan du crabe, merci à Akodo Chisaba d'avoir évoqué... Point-là. Le clan du crabe tient à préciser que sera ravi d'apporter son aide pour bâtir de solide. Shinjo va avoir des murs. C'est déjà en cours, mais c'est des planches. Cependant, nous aimerions prendre ce qui s'est passé. Nous avons perdu beaucoup dans cette histoire. Nous, le clan du crabe. Comment il s'appelle ton ambassadeur déjà, Shinjo? Quelque chose, mais. L'ambassadeur, c'est. Merde, attends. Izanagi, c'est pas un truc comme ça? Izanagi, je crois. Izanagi. On va dire ça. Shinjo Izanagi-sama. Je comprends bien ce qu'a dit Shinjo Xiya-sama, ce qu'a dit Bayushi Takayoshi-sama. Les troupes qui ont affronté les attaquants étaient là pour protéger les routes et non pour protéger le festival. L'ambassadrice crabe qui parle, elle est limite en train de faire de l'intimidation. C'est pas très étiquette. Hein. Bon, je vais essayer de garder parce qu'elle est en train de transmettre le message à ma place et à notre place, du coup ça me va. Elle tatane le Tetsubo en même temps. Ouais, ah bah oui, elle, oui. D'ailleurs, est-ce que tu peux transformer une canne de marche en Tetsubo? Genre tu fais croire que t'es aveugle et en fait t'as un Tetsubo à la main en permanence. Oui, une grosse canne. Ouais. C'est ma canne de marche, je l'ai fait renforcer avec des clous parce que autrement elle cassait trop vite. Bah si tu t'appelles Utaku Kimli, ça peut le faire comme canne, mais après... J'ai doute que t'aies la stature du personnage. Ouais, non, mais c'est sûr. Bref, excusez-moi. Non, au crabe qui... Je me rappelle plus comment elle s'appelle, l'ambassadrice crabe, mais... Elle a un nom à la con, enfin prénom à la con, je crois, mais... Burinissime Dano. Alors, ambassadeur... Non, c'est Ida... Cotonnet. Ouais. Ida Cotonnet. Oui, Ida Cotonnet qui dit ça. L'ambassadeur fait oui... Comment dire... Trappe les fesses. C'est un peu l'idée. En effet, Ida Cotonnet-sama, la licorne a reçu pour instruction de protéger les routes... dessert les principales villes Rokugani vers l'ouest qui servent à cette sécurité là ont été réaffectés pendant la durée du festival pour assurer sa protection. Voilà, donc bon, la Cotonnet elle est vénère, hein. Donc, vous allez tenter une approche plus agressive ou pas? Face à l'ambassadeur Nikon? Ouais. En gros, est-ce que vous... voilà. Là c'est le point, on va dire. C'est le point où vous pouvez peut-être faire basculer la chose. Bah, mais clairement... Bah, le problème, c'est que j'attends l'avis surtout de Shinjo, moi. C'est plus ça. Est-ce qu'elle a envie ou pas? Bah, Shinjo, ouais, elle aimerait bien y aller, quoi, mais pas pour faire une guerre civile au sein du clan, quoi. Il n'y aura pas de guerre civile, on va le rappeler, et puis c'est tout. D'autres clans qui sont en train de la mettre en cause, donc... Ouais. Pas non plus m'en faire un ennemi, quoi. Ah, ça, on s'en fout. Ça c'est un peu tard, hein, je te rappelle. C'est trop tard. Hein, ouais, mais là, c'est un ennemi, tu vois, c'est pas un ennemi mortel, quoi. Bon, après, là, pour l'essentiel des charges qu'il a subies, ils viennent pas de toi. Enfin, les nôtres peuvent après, comment dire... Rien ne t'empêche d'agir après pour essayer de lui trouver une bonne place à Rokugan ou ailleurs, mais parce que c'est pas de qui partent, hein, ça tout dépend de... Il peut rester là en tant que courtisan du clan de la grue, mais enfin pas de la grue, de la licorne, mais ça sera peut-être pas à lui de comment dire de léguer. Peut peut-être réclamer une partie de ses affectations plutôt. Je préfère ne pas t'en faire un ami complet. Ou tu peux lui dire d'aller se faire foutre et qu'il dégage. En gros, honnêtement, hein, l'ambassadrice elle va être d'accord, hein, parce que c'est ta pote, tu le sais. Elle a aussi conclu que dans la situation, clairement, une meilleure organisation licorne aurait peut-être... rendu, comment dire, ce drame moins dramatique. J'hésite à demander si en fait le problème ne vient pas du fait que, mais après je sais pas comment le demander correctement, mais si le problème ne vient pas du fait que justement l'ambassadeur n'est pas un militaire, enfin n'a pas d'expérience militaire. Mais je sais pas s'il a réellement aucune expérience militaire. C'est un courtisan mais... déjà de base. Si c'est un courtisan, il est pas chargé de se battre comme un samouraï. En fait, c'est pas un Bushi, quoi. Clairement, pour être honnête, je pense que sa seule compétence dite de Bushi, c'est l'équitation. Hein. Non mais sérieux, hein, sans déconner. Non, ça c'est pas le bon bouquin. Alors, bah du coup... J'aurais bien rajouté une bataille ne se mène pas comme un jeu de Go, mais... Bah, par là, tu vas insulter les gens. Non, le problème, non, sous-entendu, c'est sous-entendu pour dire que, voilà, un jeu de Go, voilà, tu perds tes pions. Sur une bataille, c'est pas des pions que tu perds, hein, c'est des hommes et il y a des conséquences, quoi. Ouais, mais là, à mon avis, moi qui joue un général, je peux te dire que là, tu sais, quand un général doit accepter de sacrifier des hommes pour en sauver d'autres, tu vois. Donc, oui, mais c'est un militaire qui le prend, c'est pas une personne qui a pas de connaissances, qui bouge ses pieds comme dans une cour. Il y a Bayushi qui va intervenir en indiquant, en donnant son avis. Ça t'inviendrait après. Sur la situation des jeux, je pense... qu'il y a peut-être simplement peut-être été nécessaire que des généraux licornes soient consultés et dépêchés sur place afin de pouvoir gérer les troupes au mieux, afin d'avoir une vision militaire des besoins et des effectifs en place. Ishitata Dono. C'est une chose dont il faudra s'assurer pour les prochains jeux, d'avoir toujours l'avis de personnes versées dans l'art de la guerre afin de s'assurer de ne pas de ne pas avoir de failles que de potentiels ennemis pourraient souhaiter exploiter. Un ennemi suffisamment motivé pourra toujours lancer un assaut, mais avec une préparation militaire suffisante. Un même assaut devra nécessiter plus d'énergie et de force pour atteindre la même efficacité. Moi j'ai une phrase mais j'ai peur qu'elle soit trop violente. Je crois que j'ai à peu près réussi à le dire sans donner l'impression que mon but est de faire dégager l'ambassadeur. Et dire qu'il est incompétent. Parce que moi il m'a tendu une perche tout à l'heure quand il m'a répondu et en fait j'ai peut-être une perche mais ça elle va faire mal par contre. Utilise-la, hein, t'es un samouraï, tu utilises ta perche. Ouais, mais là ça va finir en duel. Si tu utilises ta perche en ton âme et conscience, et s'il le faut, avec la lame de ton katana. Tu vas avoir un descendant, t'as fait ton travail envers ton clan. Shinjo Izanagi-sama, comme l'a évoqué à juste titre l'ambassadrice Crabbe, il y a eu des impairs dans cette affaire. Et vous l'avez très bien évoqué lorsque vous m'avez répondu, cela fait 20 ans que le clan La Licorne gère le transport. Mais il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, les colonies évoluent. La gouverneure est membre de la famille impériale désormais. Enfin, dans le sens, elle est mariée. Hein. Et peut-être que le clan de la Licorne, extrêmement importante et présente ici, aurait besoin d'une personne ayant pris conscience, c'est pour ça, c'est là où j'hésite, ma phrase qu'elle est violente, ayant pris conscience des évolutions qui touchent les colonies, afin de pouvoir faire en sorte que le clan s'adapte toujours de bon escient. Voilà. Je te proposerai, ayant eu un aperçu sur le terrain. D'accord. De l'impact des changements dans les colonies. Parce que du coup, c'est pas par incompétence, c'est parce qu'il est enfermé dans sa tour d'ivoire et qu'il voit pas le reste du monde. Voilà, bah du coup, je modifie ça. Je pense que ça sonne un peu mieux. Enfin, ça sonne un peu moins genre attaque personnelle. Un petit peu moins. Il y a un petit peu moins, parce que quand même l'attaque, elle est violente. Mais voilà. Dégage le vieux, du coup. Je suis même pas sûr qu'il soit vieux, mais par contre, je pense qu'il a passé trop de temps à Seconde Cité. Si, il est vieux aussi. Il est vieux. Voilà, donc en gros, je lui dis t'es has-been, la place aux jeunes. En fait, en réutilisant ce qu'il m'a dit, c'est que nous, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça. Peut-être qu'il faut évoluer, quoi. Que le terrain. C'est marrant parce que j'avais pas forcément lu son histoire en détail. C'est un putain de porcasse, avec des liens partout. Avec 75 en duel. Non. En combat, non, il vaut rien, mais par contre en courtisan, ouais. Il est. En fait, je pensais qu'il était de l'école idée, mais alors pas du tout, donc du coup. Du coup, en fait, là, pour l'instant, en RP, on le rocks, mais au premier GD, on passe pour des qui essaient de se la péter, quoi. Non, enfin... dans l'absolu, il y aurait des chances, mais j'ai pas envie de le faire jeter les dés, parce qu'il va vous cramer, je pense. Et que, de toute façon, vous avez quand même suffisamment d'alliés pour vous aider. Ikoma Kasaruzu Sama va participer, va enfoncer le clou. Alors là, il se fait plaisir, je pense. Ah ouais. Ouais. Ah, il va se défouler. Shinjo Izanagi-sama, comme l'a dit Akodo Echi-sama, les colonies évoluent et les besoins concétaires changent. Vous êtes là depuis de nombreuses années. Tout le monde reconnaît ici votre savoir et le bien que vous avez fait pour les colonies, surtout avec le précédent gouverneur. Pendant les colonies demandent à plus de... à une vision plus large et moins bornée sur les personnes assises sur le trône. Sous-entendu, enfin le trône, il entend l'endroit où est assise la gouverneure en ce moment. Mais bon, pas d'expression quoi. Mais... Voilà. Et il faut des gens efficaces et non des gens habiles à s'adapter. Ou à s'adapter à n'importe quel changement. Tout en ne faisant rien. Moi, il tape fort. Ouais. Pas sûr de ce qu'ils voulaient dire jusqu'à ce qu'ils disent en tout en ne faisant rien. Parce que là, du coup, ça change tout le sens. Parce que habile à s'adapter au changement, c'est plutôt positif en soi. Là, du coup, je voulais prendre un peu la protection de mon ambassadeur, mais là, du coup, c'est chaud, là. Ouais, après, en gros, disons que ce que je voulais dire, c'est que... Dans le moule et qui s'adapte, ouais, non, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, qui retourne sa veste, en fait, tout le temps, au bon moment, quoi. Voilà. Oui, parce que habile à s'adapter au changement, ça peut être aussi positif dans le sens où t'es capable de je suis d'accord, mais j'ai pas trouvé de formulation parce que se retourner la veste, c'est pas logique parce que les vestes n'existent pas, donc je me suis dit l'expression est un peu conne, donc changer de. Enfin, retourner le kimono, c'était un peu con. Habile à suivre le vent. Par exemple, ouais, effectivement. Mais voilà. Bon, du coup, c'est venu après. Ouais, bref, on a compris ce que tu voulais dire, mais oui. Voilà. Un petit contentieux entre les deux. Pas pour longtemps. Vous l'avez peut-être remarqué, je sais pas, mais voilà. J'ai cru comprendre qu'Ikoma Kasarozu profitait bien de l'occasion pour se faire plaisir. Là, pour le coup, au niveau de la gouverneure et des autres, ils se disent quoi, du coup? Parce que là, popcorn, ils regardent. Disons que il n'y a pas encore assez pour que ça tranche. Comment dire, il n'y a pas. Il n'y a pas encore eu le coup de grâce. Il n'y a pas encore eu le coup de grâce, effectivement. J'aurais bien aimé le protéger, mais je sais pas trop comment m'y prendre en fait quoi. Alors, pas le protéger, question... mais lui tendre le perche ou le l'aider quoi, tu vois quoi. Tu peux le protéger à la Scorpion, c'est-à-dire donner l'impression que tu le protèges tout en donnant les 2-3 infos en plus qui permettront de l'achever. Ouais, mais si tu veux vraiment le protéger pour montrer que t'es quand même un gars honorable, en gros, il faut lui ouvrir une porte de sortie. Du style, peut-être que Rokugan pourrait profiter de votre enseignement ici afin d'enseigner aux nouvelles générations du clan Les Licornes qui vont venir ici. Tu vois, offrir cette porte de sortie. Peut-être qu'il est temps pour vous, en fait, d'enseigner, tu vois, comme... tu vois, ce côté-là, en fait, tu as une porte de sortie honorable. Ça peut être un bon truc si c'est... Enfin, après, Bayushi, c'est toujours parler d'éducation, donc il peut... essayer de le placer, mais c'est vrai que Shinjo, ça serait bien que tu participes un peu à la conversation. On est en train de tuer ton ambassadeur. Fais-toi justement, j'aimerais bien le protéger, mais là vous êtes tellement tapé fort que c'est chaud là. Et vous avez pas remarqué que c'est plus le début, elle fait ça, je veux dire, elle a tué Otomo Akio, elle a tué le mari de machin, mais c'est un super ninja, Maotsuka, et donc là elle va pas le protéger, elle attend qu'on le défonce et après quick. Voilà. Là c'est-à-dire que. Là, on attend la mise à mort et vous allez peut-être avoir les deux oreilles à la queue, là. Wow. Ouais. Les licornes, c'est vraiment bizarre comme culture. Ouais. Donc, j'aurais bien dit... Enfin, j'aurais bien appelé comme un Kazarosu-sama. On n'est pas tous... c'est insulté disant qu'il n'est pas omniscient, quoi, mais... Bah, j'aurais bien aimé pouvoir dire que bon, même en tant qu'ambassadeur, va dire bon s'il y a eu faute, c'est parce que bon, il n'était pas forcément au sujet des armes militaires et tout le reste, mais dire dans son domaine, c'est quand même quelqu'un de bien quoi. Oui, clairement, mais comme le nom de jeu de votre village l'indique, même Shinjo a pris sa retraite. Ah, il a un petit sourire. C'est Ikoma qui dit ça ou c'est... Ah oui, carrément, oui. J'aurais mieux fait de me taire, comme d'habitude. Ça, il te l'a dit qu'à toi, hein. Il te l'a dit qu'à toi, il l'a pas dit à tout le public. Enfin, à la limite, je peux considérer que vous l'avez entendu, mais il est pas en train de le dire à haute voix pour que tout le monde l'entende. Ça se saura dans 10 minutes, quoi. Shinjo Izanagi s'est pris un tomahawk dans la tête vis-à-vis de ce que lui a dit l'ambassadeur, parce que vous l'avez dit vous en plus, c'est-à-dire que il s'est pris un coup de tête Subo par le crabe, hein, Kunodashi par le scorpion, voilà, il s'est pris on va dire un coup de katana, mais plutôt j'aurais dit plutôt une habile partie de Go derrière où il a perdu, et là il se prend un gros missile Tomahawk dans la tronche par le lion. Il tient encore. Alors, cependant, moi, alors, j'aurais une idée pour Shinjo. Bah, vas-y, j'écoute. Tu peux lui dire. Bon, après la formulation exacte, je l'ai pas, mais lui dire un truc du style. De toute évidence, avec la protection des sables rouges, ou je sais plus le nom, enfin bref, du désert, la licorne n'avait pas fourni peut-être assez de troupes pour pouvoir protéger correctement l'événement, et que cela prouve qu'on a besoin d'une personne aussi expérimentée et compétente que lui afin de faire comprendre au clan l'importance des besoins qu'on a sur place. Ouais, si, ouais, j'ai pas vraiment compris ce que tu voulais dire. Et donc en gros, tu places pas en mode tu dégages, tu places en mode bah écoute, on aurait vraiment besoin d'avoir quelqu'un aussi bon que toi pour vendre les problèmes et les besoins spécifiques et s'assurer que du coup les colonies ne soient plus démunies comme elles le sont actuellement. Entre guillemets, tu vois, enfin démunies. Mais du coup, il y a peut-être moyen de jouer cette carte-là. Ça reste la carte du va prendre ta retraite à Rokugan, mais en même temps, fais-le en ayant officiellement un rôle important, tu vois, enfin genre porte-parole des besoins spécifiques. Ouais. Allons-y, hein. Après, je te force pas, hein, mais c'est... Non, mais c'est une excellente idée, ouais. Donc, vous formulez ça? Donc, Shinjo Izanagi Dono. Il est clair que les devoirs de notre clan doivent changer dans les colonies. Il devient nécessaire qu'une personne aussi talentueuse que vous puisse promouvoir cela au sein de notre clan à Rokugan. Nous avons besoin dans les colonies de troupes supplémentaires afin de continuer à mener à bien la mission que nous a été donnée par notre impératrice. Non, j'aurais été un peu moins direct, mais enfin, remarque, ça va avec Shinjo qui est pas forcément ultra délicate, mais ça aurait été de dire qu'il est plutôt dans le sens en mode le clan n'est visiblement pas au courant des vrais besoins qu'il y a sur place, et donc nous avons besoin d'un porte-parole compétent, doué, efficace, et puis là tu mets la pommade et t'en mets des tonnes. Ouais. Tu lui as dit. C'est que la mission a changé et qu'il faut plus de troupes du coup. Non, j'ai pas les missions ont changé, j'ai dit que dans les colonies, les conditions ont changé. Oui. Et que pour continuer à mener à bien notre mission, ben, il va nous falloir plus de troupes, quoi. Et qu'il nous faut quelqu'un de compétent de l'autre côté pour promouvoir cela au sein du clan, quoi. Bon, bah, c'est pas pareil chez nous. On peut faire la demande de troupes supplémentaires, mais... Mais visiblement, ce qui vous pousse à en demander, c'est votre défaite dans votre village, Shinjo Xiya-sama. Oh, il t'accuse pas d'avoir perdu. Il t'accuse de, enfin, il te dit que que tout le monde a pris connaissance de l'information qu'il faudrait avoir des troupes nouvelles à ce moment-là et pas avant. Tu vois ce que je veux dire? Et que du coup, ils pouvaient pas anticiper parce qu'avant, personne n'en avait exprimé le besoin justifié, quoi. Non, ça, tu peux le contrer, mais bah oui, justement, avec en expliquant que c'est peut-être Akodo l'avait clairement stipulé lors des anciennes cours, quoi. Ah oui, non, c'est mais... Ouais, mais là pour lui répondre, c'est même encore plus violent. C'est une personne avec des compétences en art de la guerre s'en serait aperçue, en fait. Tu préfères la réponse à Godo ou tu préfères... Bah, je me tâte en fait parce que du coup il m'a quand même bien cassé les couilles tout le temps donc... Mais j'ai essayé de trouver une solution plus soft, quoi. La réponse Bayushi c'est pas Scorpion, c'est Crabeau possible, hein, c'est pendant tout le temps. Oui, c'est... Bah oui. Un peu l'idée, ouais. Donc Zia c'est pas un foot en guerre donc elle aimerait bien trouver une solution plus correcte, quoi. Avec un affrontement correct, total, quoi. Donc ça m'a eu 2 secondes pour réfléchir. D'autres voies, hein, mais voilà. Oui, il y a peut-être d'autres voies que ça, hein, c'est... Donc, Shinjo Izanagi Dono, nul ne saurait être compétent partout. C'est tout l'art d'avoir des aides, des conseillers. Correctement, enfin, c'est pas correctement choisi, mais disons, des conseils tout court, je m'arrête là. De nombreux signaux ont été lancés par diverses personnes comme Akojo Ishii Sama stipulant le fait que des troubles, des menaces graves pesaient sur les colonies vis-à-vis des Ivindi. C'est un truc pourri là en fait. Il est à noter que parfois des compétences martiales peuvent être nécessaires afin de comprendre la globalité de certaines situations qui rentrent plus dans le domaine militaire que celui de l'organisation, la gestion et promouvoir le bien du clan. Ouais, bah je lui dis ça en fait. Yeah. Bon là il s'en prend un peu par la gueule quand même. Ouais, j'ai été soft quand même. Bah, disons que t'as essayé et qu'il t'a forcé la... Enfin moi l'impression que j'ai c'est t'as essayé et tu t'es retrouvé un peu forcé du coup ben... Alors... Écoute... Bah... Il y a... Est-ce que... La question c'est... En gros, la gouverneure, elle attend de toi, en fait, en gros, enfin la gouverneure ou son gouvernement, hein, c'est pas forcément elle qui regarde, qui est suspendue à tes lèvres, mais est-ce que toi, tu exprimes le fait que tu veux qu'ils partent? En gros, ça, pour moi, il manque encore le coup de grâce. Donc le coup de grâce, je l'ai en tête. Bon, c'est plus un effet scénariste, c'est, on va dire plutôt de mise en scène. Cinématique. Cinématique, voilà, que je trouve plus jolie. Cependant, je considère qu'avec tout ce que vous lui avez mis dans la tête, ça suffit. Voilà. Le charmement, c'est pas très poli. Donc en gros, j'aurais bien aimé que le coup de grâce vienne de vous. Qui est encore possible, c'est pour ça que je le souffle pas. Ouais. Vous en êtes pas loin. Parce que, en gros, je considère que ça suffit ce que vous avez fait. Et donc, je peux valider à partir de là. Mais je vous laisse aussi la possibilité de trouver le coup de grâce, qui est vraiment pas loin, à mon avis. Donc, bah, sinon, hop, je vais y aller, je vais me lancer, on verra bien. Hein. Allez, on fait le. C'est dommage que Kodo soit pas là pour qu'on réfléchisse à trop à la limite, tu vois. Allons-y. Donc, Shinjo Izanagi Dono, vous semblez la personne la plus apte, de par vos talents, à apporter nos paroles et nos conditions au sein du clan à Rokugan. Correct ce que j'ai dit, hein, j'espère que c'est pas trop vexant. Ouais. Et clairement, lui, il aime pas. Hein. Lui, il aime pas parce que, clairement, c'est quand même quelqu'un qui est là depuis tout début, quoi, pratiquement. Ah ouais, mais je m'en doute, mais bon, j'ai essayé à son soft, donc, du coup, il veut pas laisser la place gentiment, il faut bah, on pousse, hein. Il y est, enfin, même, c'est même plus que ça, parce que c'est l'un des premiers samouraïs licorne à avoir accepté volontairement de venir, quoi. Bon. Donc là, ouais, mais ça c'est le petit point historique qu'on aurait pu utiliser autrement, tu vois. Ouais. Bah ouais. Mais je viens de le lire aussi, donc du coup. Mais pour le coup, non, mais c'est rigolo. Bah, par rapport à ce que j'ai dit, en fait, je dis simplement que c'est comme il connaît en fait il connaît les conditions locales, il connaît en fait maintenant, il connaît les besoins. De la licorne au sein des colonies, donc c'est le plus apte à mener en fait les tractations au sein du clan à Rokugan, quoi. Mais j'aimerais bien avoir encore l'avis d'Akodo, parce que peut-être que lui là, arrivera à le trouver le coup de grâce, l'ultime, quoi. Le fatality, tu vois, le finish him. J'ai un peu du mal à avoir un fatality là, par... Ah, c'est tout con, hein. C'est tout con. Bon, après, vous me direz si vous trouvez ça plus puissant ou pas, mais voilà. En gros, bon, vous lui avez mis tellement sur la gueule que ça suffit. Mais voilà. Et un finishing, mais bon. Mais à ce propos, Obi, les... ouais. On a que la protection du désert comme route, ou c'est vraiment toutes les routes qui vont vers l'est qu'on doit protéger? Ah non, il y a deux voies pour accéder aux colonies, c'est la voie maritime par le sud, ou par le nord, via le désert. Ouais. Et vous, vous avez comme... la première des missions qui a été donnée au clan de la licorne, c'est d'escorter le gros des troupes de l'araignée pour aller pour arriver aux colonies, et d'assurer la sécurité de cette route-là, la route du Nord, qui en gros va de chez vous à la fort, enfin, jusqu'au fort de la fin du voyage, quoi. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça, d'ailleurs, le fort. C'est que l'impératrice vous a demandé de faire en sorte que la route qui aille entre le territoire de la licorne et le fort de la fin du voyage soit protégée. Il y a eu, il y a quelques brigands, quelques caravanes qui ont été attaquées par d'éventuels Ronin machin sur la route. Ah bah ça me donne une idée, tiens. Ça a été léger. Je te rappelle que vous avez vous-même eu quelques petits soucis quand vous l'avez emprunté à l'époque. Bon, c'est le seul rescapé de la campagne de cette époque-là. Ouais, je sais. Mais voilà. Et donc, oui, et c'était ça votre objectif, quoi. Donc du coup, j'ai ramassé de nouveau Shinjo Izanagi Dono. Donc Shinjo Izanagi Dono. La mission de notre clan était à l'origine d'assurer les troupes la protection des troupes de la licorne à travers le désert pour aller dans les colonies. Notre village, donc la retraite de Shinjo se voit l'honneur de recevoir, l'établissement des prochains jeux dans son village. Il est à mon avis plus que normal, voire ce serait même un devoir de notre clan que d'assurer la sécurité des routes jusqu'au sein du village afin de garantir la sécurité de tous les gens se rendant aux cérémonies de Genpuku qui s'y feront à l'avenir. Je pense donc qu'une personne illustre comme vous, qui avait su promouvoir le clan au sein des colonies, est à même de recevoir l'honneur de négocier des troupes supplémentaires au sein de notre clan à Rokugan pour cette nouvelle mission. Pas trop suivi tout là. Je dis en fait, on a su à l'époque, c'est comme a dit Obi, on s'est vu octroyer la mission d'assurer les protections, et comme le village, la retraite de Shinjo a reçu l'établissement des jeux dans le village, de façon plus ou moins permanente. C'est pas encore acté ça, mais. Ouais, mais comme ça le sera. Si personne dit rien, logiquement ça l'est. Shinjo tente un truc. Ça va être une pierre de coups, j'essaye. Donc du coup, ça serait bien qu'il aille dans les colonies, justement pour promouvoir le fait que un de nos villages a reçu l'honneur des établissements des jeux, comme le village de l'autre côté, quoi, et que il nous faudrait des troupes supplémentaires pour assurer la protection des gens et d'établir une nouvelle route commerciale vers plus loin dans les colonies, quoi. Le prochain festival, il a lieu dans un an, hein, vous avez le temps, hein, mais. Ouais, mais comme ça c'est fait, quoi. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je sais pas si vous avez compris autre chose, quoi. Pas de sortie, parce que du coup c'est lui qui reçoit l'honneur, l'honneur d'avoir créé cela, quoi. C'est lui qui prend les glories et tout ça, quoi. Il va le jouer élégamment, il va dire que les besoins du clan ont changé, que le clan de la licorne doit se rendre compte que un petit peu plus adapter ses objectifs dans les colonies. Et qu'il ira prêcher la bonne parole auprès du clan. Du coup, j'allais dire une connerie, genre vous inquiétez pas, il y aura un piqué avec votre nom. Non, c'est mon village, mais ça va pas le faire. En gros, clairement, il vient de se faire, mais il a baissé son froc, quoi. Clairement, ça pique un peu, quoi. Mais du coup, s'il joue sur ce que j'ai dit, il peut en retirer de la gloire et du prestige au sein de Rokugan, quoi. Personne n'est dupe, hein, mis à part les gamins qui ont fait leur Genpuku il y a 4 jours, il n'y a aucun qui... Oui, mais à Rokugan, ils sont pas au courant de ce qui s'est passé, donc Rokugan, il peut en avoir de gloire et tout ça, quoi. Ils vont l'être, hein, mais... Du coup, à ce propos, Kakita Morihime, là, Mito-Hime-sama a reçu bah, le par rapport aux troupes. Il semble que qu'elle a reçu et il semble que les troupes sont plus importantes qu'à ce qu'elle avait demandé. Dans tous les cas, elle pourra évidemment déléguer une partie de ces troupes dont elle n'a pas besoin à la protection d'événements si un événement similaire devait être réalisé. Hein, c'était la petite info en plus. Ouais. Ça va être encore plus une loose que ce que je pensais avec elle. Alors, du coup, tac. Donc ça c'est fait. La gouverneure va te désigner comme nouvelle ambassadrice du clan de la licorne. En attendant, qu'elle trouve mieux. En attendant que le clan lui envoie quelqu'un d'autre s'il l'estime nécessaire, parce que c'est plutôt le clan qui nomme les ambassadeurs, hein, c'est pas elle qui le fait. Mais pour l'instant, elle va te demander à toi d'assurer l'intérim. Si le clan valide, tant mieux, sinon bah, elle prendra l'autre personne. Il y a de fortes chances que le clan valide, hein, et qu'il envoie personne d'autre. Dès que t'as l'air de plaire à la gouverneure, bah voilà, vous êtes proches, il n'y a pas de raison que le clan dise non, quoi. Ça serait un peu se tirer une balle dans les pieds, quoi. Voilà. Ensuite, bah, du coup, il y a l'ambassadeur, Maraja qui va vouloir parler et qui va évoquer donc vous a dit. Donc lui, clairement, bon, dès que tu vas commencer à l'introduire, donc déjà. Il sort du fond de la cour, il est derrière les gamins qu'on fait leur Genpuku et tout, quoi. Limite, voilà, il est coincé entre les cuisines et les WC, hein, l'image. Et du coup, il se présente, bon, il salue toute la cour, il le fait vraiment dans les règles de l'art de Rokugan, hein. Il y a quelques hésitations, quelques lenteurs, voilà, mais c'est pas... c'est assez fluide, il fait pas de faute d'étiquette. Moins grave, quoi. Et il dit, fait un discours du genre que, en tant que représentant des Ivindi, oui, nous avons la volonté de récupérer notre terre et nous cependant, nous ne sommes pas des assassins et pacifiquement. Cependant, une partie de peuple. Voient les choses autrement et ont décidé de prendre des armes et voilà, il va minimiser le fait que c'est une petite partie du peuple. En gros, le clan du crabe va lui dire allez se faire foutre, hein. Le clan de l'araignée va gentiment lui dire allez se faire foutre aussi. Écoute, le clan du lion on s'en fout un peu. Clan du scorpion, ouais, on va dire. La gouverneure, elle, par contre, voilà, bah, rebondit à cette conversation et du coup, Bayushi Takayoshi-sama. Iweko Sukime Dono. Vous avez fait partie, comment dire, vous qui êtes à la tête de la magistrature, vous avez accompli de nombreuses missions sur tous les territoires des colonies. Avez-vous une idée, comment dire, de nos assaillants, enfin de nos attaquants? Alors, pendant la... ou... Non, en général. Est-ce que, en gros, est-ce que tu penses que c'est, oui, que c'est 80% des Ivindi? Est-ce que c'est Après, tu peux différencier par rapport à ceux qui travaillent, enfin, ceux qui vivent à Seconde Cité, ceux qui sont dans les différents villages, ceux qui sont dans les réserves, etc. À toi de Je sais pas vraiment de nom. Non, mais c'est sûr, mais même pourcentage. Est-ce que globalement, le gros des troupes ennemies, enfin le gros des non-partisans, des adversaires plutôt, sont dans les... voilà, tu dis ce que tu sais, et puis... Alors, dans les villes, donc et villages, ils sont gérés par des samouraïs ayant décidé de traiter les Ivindi comme des occupants du territoire de Rokugan. Je ne pense pas que le nombre d'ennemis soit très élevé. Pareil, dans ceux qui font commerce aujourd'hui dans les villes comme Seconde Cité, la majeure partie sont des partisans qui ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à collaborer avec Rokugan pour se simplifier la vie et pour... avoir une place. Il y a des lieux où je ne saurais dire, par exemple dans les villages Ivindi reculés, où il y a des... Un des travaux que je dois faire est justement de recenser un peu tout ça et d'avoir des informations sur ça. Par contre, de ce que j'ai pu voir lors de mes déplacements, je pense que les Ivindi qui sont en réserve, traités essentiellement comme des animaux, avec qui sont ceux qui sont le plus facilement la cible de samouraïs indélicats. Je pense que le nombre de partisans de ces religions peut être assez élevé. Les gens ont peu d'espoir, peu de raisons de vouloir se mêler à nous, et peu de raisons de vouloir s'ouvrir à notre culture. Ils savent qu'ils sont parqués comme des animaux et que s'ils essaient de s'échapper, ce qui les attend, c'est la mort. Ou équivalent. Et donc peu d'entre eux ont suffisamment d'espoir dans l'avenir et de confiance en nous pour vouloir... nous. Il s'appelle comment? J'ai perdu le nom... du conseiller du frère de l'impératrice. Hiroaki Soshi. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est le marieur, ça. Oui, je sais. Taishiko ? Non, toujours pas. Seppun Taiko ? Non plus. Lequel tu cherches qui ? Le conseiller du fils de l'impératrice avec qui on a parlé des Ivindi. Kitsuki Kitsuki Goai, oui voilà, j'ai pas été jusqu'au dragon encore. Kitsuki Goai. Qui est dans la pièce. Pense... Hein. Oui, je pense que sur ce point, Kitsuki Goai qui a fait un travail de recensement et de réflexion sur comment résoudre le problème de la cohabitation avec les Ivindi pourra confirmer Iweko Sukime Dono. Pour faire un petit brief à Akodo, ils ont proposé à l'ambassadeur Licorne de servir en ambassadeur des licornes des colonies dans le clan licorne. Là, le fout chez les Ivindi, quoi. Non. On le renvoie. Et le renvoyer à Rokugan. Pour qu'il plaide les besoins des licornes dans les colonies qui ont changé depuis le temps. D'accord. Bah, du coup, il a saisi la balle au bon parce qu'il allait commencer à comprendre que tout le monde allait lui foutre sur la gueule sinon. Donc Shinjo a été reconnue comme ambassadrice. En attendant que le clan lui renomme quelqu'un ou valide Shinjo, ce qui sera probablement le cas. Ijo de la part du clan de la licorne de refuser. Le clan. Et tac. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc l'ambassadeur Ivindi, enfin du coup lui a fait son petit discours en disant voilà qu'il fallait pas attaquer tout le monde, fallait pas faire d'amalgame, tout ça. Ce qui est un peu le même discours que Bayushi a fait un peu avant. Hein. Oui, tout à fait, hein, tout à fait, hein, tout à fait. Mais lui, il a un accent, c'est plus rigolo. Et voilà, donc effectivement, il a dit un peu le même discours que toi. Mais il a joué un petit peu sur l'émotionnel, tu vois, lui. Donc, ce qui a été, bon, grosso modo, il y a des clans qui ont été un petit peu outrés de sa présence, ou qui ont fait exprès de pas écouter, etc. D'autres qui ont écouté attentivement. D'autres qui n'ont vu un peu rien à faire. La gouverneure a demandé à Bayushi, du coup, ce qu'il pensait de tout ça, en gros. Et Bayushi a renvoyé la balle à Kitsuki Goai. Bah non, j'ai donné mon avis en disant que je pense que oui. Kitsuki Goai pourrait confirmer mes hypothèses, parce que pour l'instant, moi, c'est que des hypothèses, donc... Oui. Pas vraiment... En gros, elle a demandé à Bayushi s'il avait une idée des forces en jeu, est-ce que... où étaient les principaux opposants, et quel nombre on avait à ça. Kitsuki Goai, lui, va prendre la parole et va dire que... il est en train de discuter avec des araignées, visiblement. Et avec justement Degotsu, je sais plus comment, enfin le général quoi, et d'autres membres. Et donc, gouverneur Dono, je pense que nous sous-estimons les forces que nous avons en face. Non pas que leur nombre peut être important dans la population d'Ivindi, mais je pense que tout simplement ce que nous sous-estimons est la population Ivindi. Et je pense que ils sont plus nombreux que ce que nous pensons. Que de ce fait, ils nous surprennent, même en ayant une faible proportion de fanatiques. Cette forte proportion de fanatiques est bien au-delà, bien plus grande de ce que nous pourrions imaginer. Ce qu'on n'a pas encore découvert, quoi. Ouais, bah, mais c'est logique, parce que vous aussi, vous avez... Enfin, comment dire, c'est pas non plus une réflexion que vous aurez... Enfin, c'est une réflexion que vous pouvez avoir aussi, quoi. Bah, c'est pour ça que je disais aux gamins, fais gaffe, parce que les Ivindi sont beaucoup plus nombreux que nous, quoi. Voilà, c'est que les Ivindi, voilà, vous... Il n'y a pas eu de recensement, quoi, donc vous savez pas combien ils sont. Ils se cachent. Pour la plupart, il y en a qui vivent peut-être encore dans la jungle, d'autres qui vivent encore peut-être plus loin. Voilà. Il sape le moral de tout le monde pour que la colonisation recule, quoi, enfin, ou reste sur place, quoi. Voilà. Effectivement, il va conclure sur la même chose que toi, Bayushi Takayoshi. Et donc... Là, la gouverneure va enchaîner sur donc les solutions pour régler ce problème. Nous avons un employé qui va plaider la cause de clan de la licorne ou de son propre clan afin que le clan de la licorne soit un peu plus efficace en combat dans les colonies. Avec à la tête Shinjo Xiya-sama, pour l'instant. Ça, c'est la réponse martiale. La réponse, on va dire, idéologique. Nous avons plusieurs samouraïs de haut rang qui font justice précise et pas une guerre ouverte, aveugle, faisant l'amalgame entre les Vindis. Pourrait être plus pacifiste. Comme nous l'avons vu, ces troupes se sont montrées très efficaces. Ni Akodo Ichisama et Degotsu quelque chose. J'ai plus son nom là. Tant pis. Degotsu général. Ouais, Degotsu général, on va dire ça comme ça. Hein. Shimokuro, c'est ça, Shimokuro. Ça va ? Ouais. Qu'ils ont un réseau suffisamment important pour pouvoir s'entraîner et préparer d'actions de grande envergure. Akodo, tu voulais pas poser des questions là à l'ambassadeur du Yokutai? Si, il a dit quelque chose ou pas lui? Non, il a encore rien dit. Quoi. Mais voilà, c'est clairement la gouverneure tend la perche pour que tu commences à les poser. Hein. Ok. Vraiment, c'est comme perche. Oh, Akodo Ichisama, si vous avez des remarques, allez-y. Oui. Elle fait la même à Degutsu. Hein. D'accord. J'ai été surpris des techniques employées par les Ivindi qui ne ressemblent pas à leur attaque traditionnelle. Engager quelques Yodotai. Akodo, je pense. Ah merde. Allô, on m'entend? Oui, ouais. Je disais que après avoir constaté l'évolution de leur technique, et en constatant l'arrivée de plusieurs Yodotai dans la région, puisque j'ai pu en voir en engageant comme ronin, enfin comme mercenaire, parce que le ronin c'est pas pareil. Je me demande si vous êtes au courant ou pas d'un partenariat qu'auraient peut-être fait certains membres de votre royaume, si on peut dire royaume, ou empire, hein, je sais pas quel est le nom idéal, empire, ouais. De leur empire vis-à-vis de certaines factions Invindi, afin de leur enseigner votre art. Bon, l'ambassadeur va répondre. Peuple combattant, beaucoup de nos citoyens ont orientés par les armes et souhaitent vivre toute leur vie. Et donc, ils refusent de rentrer dans le rang et de servir comme citoyens et préfèrent partir et servir d'autres causes. C'est pour ça que notre empire a toujours été grand fournisseur en mercenaires, comme vous les appelez. C'est pas impossible que certains ils étaient recrutés ou forcés par ces individus pour les aider. Cependant, vous voyez là que l'acte isolé de quelques membres et aucunement... Vous voyez là que l'acte isolé de quelques membres qu'il faudra prouver. Ah mais je pensais bien. Et non de dirigeant de mon empire. Du coup, pourrais-je, dans ce cadre-là, vous demander l'autorisation d'améliorer nos défenses, un conseiller militaire afin de puisse m'aiguiller sur certaines pratiques qu'on aurait pu leur enseigner, je dirais pas des traites, mais ces mercenaires isolés. En gros, là, du coup, je lui demande carrément, enfin pas le bouquin, mais en gros quelqu'un qui puisse m'apprendre des techniques. Oui, j'ai compris. Le mentor qu'il vous faut pour ce genre d'histoire, vous pouvez pour que quelqu'un soit attribué quelque temps. Je dis, ça prendra un peu de temps, évidemment. Un peu de temps. Je pense bien, mais je suis sûr que vous saurez trouver les personnes adéquates le plus prestement possible afin de participer à la restauration de l'ordre à Rokugan comme nous tous. Ok. Bon, en gros, y a beaucoup de gens qui le trouvent au cul quand même. Hein. Dans le... Ouais, c'est pour ça que j'ai insisté aussi. Je vous dis la rumeur qui court hein, dans la cour, justement. Et voilà. Les trop faux cul à quel niveau qui ment peut-être en fait. Ouais. Pas au courant de tout, hein. Voilà. Et, Tac. Je pense que la cour va s'arrêter là à peu près, enfin, bon, ça va continuer, on va dire, pour des banalités. J'aurais bien demandé quelque chose au Maharaja Lemkesh, en fait. Bon, d'abord, vas-y. Hein. Donc, Maharaja Lemkesh, Mon clan dans cette affaire subit un affront venant de votre peuple. Il me semble que cet affront soit levé. Que diriez-vous pour cela d'organiser des jeux Ivindi au sein de mon village? Je dis à Sama, mon peuple n'a pas l'habitude de jouer à la guerre. Mais qui parle de jouer, de montrer, je vous offre l'occasion de pouvoir montrer au Rokugani les talents de votre peuple. Tant que mon peuple ait envie de montrer ses talents, son envahisseur. Sama. Soit. Il est dommage que nous soyons obligés de nous affronter, de nous comprendre mutuellement. Ah mais je vous comprends très bien. Vous voulez nous accepter, nous souhaitons que vous partiez. Cependant, nous n'avons pas tous les mêmes méthodes pour votre départ. Comprendre que vous êtes ici sur nos terres, elle nous revient de droit, prêt à faire couler le sang pour ça. Je suis certain que la sagesse prendre cette chose. Ben oui. Il lui a renvoyé quoi exactement? Il n'est pas intéressé. C'est ça, c'est l'idée. Il n'est pas intéressé de s'intégrer à vous, quoi. Lui, il veut l'indépendance. Après, il le dit clair et haut et fort qu'il ne veut pas se battre. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas envie d'aller là. Mais cependant, c'est pas pour autant qu'il veut pas vous voir partir, quoi. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire pendant la cour? Est-ce que quelqu'un meurt pendant la cour? Non. Bizarre ça. Donc, ouais. Pour info, hein, là ce qui va se passer dans les prochains semaines, vous me dire, hein, mais globalement, dans les prochains événements, il va y avoir le mariage de Misara. Ok. Voilà, ça et il s'est pas suicidé suite à la perte de son ancêtre? Non, par contre, les réserves d'alcool de Seconde Cité ont diminué de moitié. Bah non, j'ai interdit à qui boit. Ouais, mais avec 3 mandales en plus, l'aubergiste sert. Clairement, si j'ai appris, j'y vais. Hein. Et au pire, je prends Bayushi avec moi pour lui montrer l'autorité judiciaire. Non mais il a pas bu, il a fait s'évaporer, il a respiré les vapeurs. Voilà. Et il a tenté au moins d'inviter les cuves. Il a invité des amis à boire, et du coup il a picolé vers de ses amis. Voilà. Ouais, il y a ça. Un peu ce que vous voulez faire dans les prochains semaines, on va dire. Je pense pas que le mariage, je vais le jouer, hein. Je suis pas certain que ce soit très intéressant. Voilà, on fera 5 minutes si vous voulez pour offrir les cadeaux, mais c'est tout, quoi. C'est une cérémonie beaucoup plus intimiste que la vôtre, Akodo et Bayushi. Du coup, moi je me mets au courant des affaires que gérait l'ancien ambassadeur, quoi. Ouais, bah du coup tu vas prendre tes quartiers. Bon, évidemment, quand la cour sera finie, il va être fumasse, hein, le gars. On le fout un peu à la porte vite fait. Donc oui, tu vas te rendre compte que les forces armées de clan la licorne étaient un petit peu en mode passif, quoi. Donc tu vas pouvoir un peu réaffecter les troupes, y a pas de problème, pour soulager un peu les mecs qui gèrent les routes. Après, bon, t'as plein de choses, hein, t'as plein de cérémonies qui vont te tomber sur le rap. Là, par contre, faut que tu vives à Seconde Cité. Hein. Tu pourras pas te permettre de faire le rôle d'ambassadeur si t'es pas là. Hein. Dans la ville de Seconde Cité. Hein. Alors, une sacrée baraque. Hein. Par contre, oui, tu dors à l'ambassade. Donc, t'es dans la suite royale à l'ambassade quand même. Hein. C'est tout en haut. Hein. Voilà. Ouais, mais je pose la question, c'est mon bonhomme, où c'est que je vais le foutre, lui. Ah bah ça... Ah bah ça, c'est sûr. Tac, tac... Bah, de toute façon, oui. Mais le... Voilà, c'est... Après, au côté Bayushi, est-ce que t'as une idée de ce que tu vas faire? Pas du tout. Bah, je vais commencer à essayer de me renseigner sur comment intégrer correctement les Ivindi sur le long terme, tu vois. Donc, bah, n'hésite pas à faire une liste de gens que tu veux aller voir pour aller parler, poser la question. Ouais, j'ai pas trop d'idées encore pour l'instant, mais oui, oui. Et puis toi, Akodo? Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire là dans les jours qui suivent? Dans les semaines, essayer d'en apprendre plus sur les techniques Ivindi. Les techniques Ivindi aussi, mais les techniques Yodotai. Ah, il y a un truc par contre. Pendant la cour, tu vas être approché par le clan du crabe. Ok. Akodo. En gros, il semble que ton combat contre l'armée grue te fasse passer comme un espèce d'ami du petit peuple. Intéressant. Parce que tu as protégé les paysans locaux contre les grues qui réquisitionnaient leur village. Bah oui, oui, je vois bien. Hein. Et si vous connaissez... Comme ça te ferait mal au cul si t'avais pas eu... Alors, tu as cette petite réputation. Alors que je serais battu pour la grue avec plaisir. Ok. Et du coup, il te demande si tu peux. Ouais. Tu as le temps, hein, etc. Ils le font poliment. Mais si tu peux aller les voir et peut-être leur parler pour essayer de dénouer la situation. Parce que clairement il y a une espèce de fronde qui se met en place dans les paysans et dans les marchands qui dit qu'en gros les samouraïs font pas leur taf de les protéger. Bah, je vais faire une sorte de petite campagne un peu pseudo-politique, tu sais, genre je vous ai compris, mais un peu sincère, c'est-à-dire que j'écoute quand même leurs problèmes, mais par rapport au Bushido, c'est-à-dire que si oui, je trouve qu'il y a des samouraïs qui vont pas bien, je les remettrai à l'ordre, mais clairement, ouais, une sorte de petit père, j'ai pas envie de dire petit père des peuples, hein, pour ceux qui ont un peu de... parce que ça va faire un peu mal, mais un peu protecteur, oui, totalement, mais protecteur dans le sens idéal du Bushido. Et clairement, c'est ce qu'on reproche aux samouraïs, c'est que pendant l'évacuation de l'arène, les samouraïs ont protégé les courtisans et n'ont pas protégé les émines. Donc il y a eu beaucoup de pertes chez les émines et très peu chez les samouraïs. Voilà, il y a les impôts qui sont atroces et il y a l'armée qui débarque pour les faire payer. En gros, hein, il y en a qui vont se faire trancher en deux. Hein. Ouais, ça je veux bien croire. Hein. C'est clair, net et précis, quoi. Du moins, eux le pensent. De l'autre côté, comment on appelle ça ? Eux, ils ont que des vagues rumeurs, donc ils ont entendu qu'il y avait eu une attaque sur les... dans le village de Shinjo, donc ils sont aux portes de la ville pratiquement, à les entendre. D'autant que leur quartier n'a pas de mur de protection, et que les seuls quartiers qui ont des murs de protection, c'est des quartiers où il y a des samouraïs. D'accord, ok. Donc voilà, toutes ces inquiétudes montent beaucoup. Et alors, le crabe te parle principalement de Seconde Cité, mais Bayushi, t'as des échos un peu similaires dans le reste des colonies, quoi. D'accord. Voilà. Et pareil, Shinjo, à ton village, alors t'as pas beaucoup. Je considère que t'as pas une proportion d'émumes énorme et que tu fais bien ton travail auprès d'eux, parce que t'es quand même une licorne, donc t'es plutôt en mode communication, etc. avec eux, donc ça va, ça passe bien, mais voilà, tu le ressens quand même un petit peu vis-à-vis des informations que tu reçois des autres villages aux alentours, quoi. Ils sont pas forcément tenus par des licornes. Mais du coup, ils veulent que je calme la population en les écoutant, ou est-ce qu'ils veulent que j'agisse? Qu'est-ce qui en fait est attendu de moi? Ben, en gros, il faut que tu leur... Eux, ce qu'ils attendent, c'est que tu montres qu'ils sont protégés. D'accord. Et que pas tous les samouraïs sont comme ça. Et que, évidemment, si tu peux dire que le clan de la... du crabe est aussi, ça marche aussi. Parce que, en gros, il y a pas mal de marchands crabes qui sont là, quoi. Qui étaient dans les victimes. Et donc, voilà, ça reste... Est-ce que le crabe... Mais l'ambassadrice, enfin la gouverneure va te dire un peu la même chose, hein, va te dire, ouais. Voilà, ça, elle va aussi appuyer ces dires-là. Ben, je vais faire ça en m'appuyant des fois sur les samouraïs du clan qui gèrent la zone. Là, on parle que de Seconde Cité ou on parle aussi dans les colonies? Alors, toi, c'est Seconde Cité. Ouais. Ok. Ouais, bah du coup, je vais partir un petit peu en prenant des troupes de la garde de la ville. Prends des magistrats avec toi. Ouais, puis sinon je peux prendre aussi des magistrats pour leur montrer que... Sachant que de mon côté, j'ai rappelé aux magistrats que la magistrature protège tous les occupants des colonies. Voilà, donc du coup, un peu mettre mon honneur dessus en disant, bah voilà, ça c'est des gens avec qui j'ai travaillé, je sais qu'ils sont honnêtes, donc c'est leur travail de se défendre. Comme j'ai, enfin tu vois, de faire un peu un discours un peu politique, tu vois, mais en prenant justement des vrais samouraïs pour les montrer aussi. Des clans, et du coup le prendre un des gars d'Ivoire pour justement dire, bah si vous constatez certains machins, faut aller les prévenir. J'ai toute confiance dans la magistrature de Bayushi. Je fais ce qui est attendu, j'essaie d'entendre, de calmer. Si je vois vraiment qu'il y a un truc grave, etc. Oh, ouais, on gérera ça. Ouais, on gérera ça. Prochaine, tranquillou quoi. Ouais. Ok, bah, j'espère que ça vous... Je vais arrêter les enregistrements. J'espère que ça vous a plu. Donc c'était une partie plutôt cool, je pense. Désolé pour mes absences. La cour était assez forte, on va dire, mais je crois que c'est la première cour où on est aussi agressif, en fait, je pense, où on est aussi moteur de ce qui se passe dedans. Il y a des chances. Ah bah, moi je vous conseille d'écouter Bayushi dans les premières cours et Bayushi maintenant. Ça envoie du poney. Hein. Bon. J'apprends à force. Hein. Bon bah, je vais dire au revoir aux gens. Au revoir. Je vais arrêter. Au revoir tout le monde. À la semaine prochaine, tout ça.